We'll be right back.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, ici le Don Alex. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon dimanche matin. Ça fait grave plaisir de se retrouver après ce live incroyable d'hier sur ce live du dimanche. C'est deux lives du dimanche même, puisqu'on est sur un double jeu console aujourd'hui. On va commencer par un jeu aujourd'hui vers 11h10 là. Actuellement il est 11h10, on est le 21 mars 2021. Ah, bientôt le live anniv, bientôt hein, dans 6 jours. Ça passe tellement vite que je me dis purée, on va bientôt y arriver à ce 12h de live multijoueur. Et j'espère qu'il vous plaira d'ailleurs les copains. J'espère que ça va vous tilter. Oh mon dieu, il va y avoir 12h de multijoueur, mais c'est exceptionnel. Et oui, j'ai jamais fait 12h de multijoueur de ma vie en live. Et même hors live, je pense que c'est rare que j'en fais 12h d'affilée de base. En multijoueur, je pense. Évidemment. Alors les amis, on va parler du planning de la semaine prochaine, évidemment. On va parler du planning d'aujourd'hui, avant tout. Alors évidemment, comme je suis sur mon PC, pour l'instant, il n'y a pas de planning mis en place comme je le fais sur mon Shadow. Puisque pour l'instant, les seuls jeux que je ferai sur mon Shadow, ce sera du coup les jeux PS2 et évidemment les jeux Switch et les autres consoles. Évidemment, par exemple Twilight Princess, si vous me dites de faire Twilight Princess, je vais voir quand même pour me le faire sur le Shadow, pour commencer sur Shadow. Comme ça on n'aura pas besoin évidemment de réinstaller toute la ribambelle de manette, etc. Et si on a des petits bugs de PC, au moins le Shadow, il y a moins de chances que ça arrive, sauf pour la caméra, évidemment, le petit souci de la caméra, encore désolé les copains, c'est pas ma faute, hein, vraiment, j'ai vraiment pas essayé de faire bugger cette caméra, elle a pas réussi à redémarrer du coup. Bon, peut-être ma caméra qui a un souci, parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qui a fait planter mes lives. Alors, la caméra, elle fait planter mes lives. La caméra, elle me fait planter mon PC. Elle fait plein de choses, cette caméra. Franchement, c'est une caméra assez particulière, on va dire, évidemment. Bon, on va dire que c'est pas très très grave en soi. On va dire que c'est la caméra, quoi, en fait. C'est un système que je vais devoir résoudre. Alors, du coup, les copains, plusieurs choses à vous dire, évidemment. Le quiz thème, il reste une place pour le moment. Pour l'instant, il y a une place. Il y en aura peut-être deux. Qui sait ? Ça, il y en a une. Si vous voulez participer au quiz thème de ce vendredi, je vais en revenir dans quelques instants. Et je vous dirai comment faire. Mais avant tout, aujourd'hui, on va aller sur Ratchet & Clank Gladiator. Et oui, le retour, enfin. Je voudrais continuer quand même ce jeu magnifique. Parce que les Ratchet & Clank, vous savez que j'adore cette licence. Je suis un grand fanat de cette licence. Mais comme évidemment, je vous disais, les boutiques rétro sont fermées. Là. Au mois d'avril, elles sont fermées. Évidemment, on est confiné dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, confiné entre guillemets, voilà, parce que du coup, ben, on n'est pas vraiment confiné, mais on est confiné sur certains points. Les boutiques rétro sont fermées. Les amis, les boutiques rétro sont fermées. Donc, comme les boutiques rétro sont fermées, on va, je pense, aller peut-être sur du Ratchet & Clank Lost Legacy après ce Ratchet & Clank Gladiator. Voilà, et puis on retournera évidemment sur 3 Ratchet & Clank juste après. On ira sur 3 autres sagas, 3 autres jeux de la saga, dont je pense la taille ça compte, Question Force et le 1. Et Ratchet & Clank 1, et voilà, il ne restera plus qu'après Opération Destruction, à Cracking Time et le 3. Et on a fait tous les Ratchet & Clank. Voilà, on aura fait tous les Ratchet & Clank. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau parce que du coup, c'était un peu mon but au tout départ quand j'ai lancé ces retours de live. C'était de faire Ratchet & Clank. Je me suis dit, tiens, Ratchet & Clank, c'est la saga la plus longue et c'est où je connais le plus de jeux en soi. Donc pourquoi pas faire une sorte de 100% de Ratchet & Clank et de se dire. Et le Don Alex va devoir finir à 100% Ratchet & Clank. Enfin, pas 100%, mais faire tous les Ratchet & Clank. Voilà. C'était le challenge que j'avais lancé en 2019. En 2021, il est encore en cours. C'est-à-dire que rien n'a été abandonné, rien n'a été laissé tomber. Je n'ai pas lâché prise pour cette ambition de finir tous les Ratchet & Clank. Et ça c'est exceptionnel, les copains. Ça c'est exceptionnel, excusez-moi. De m'être bafouillé dans mes mots. Alors. Ce matin, Ratchet & Clank, donc on va y aller jusqu'à, je sais pas encore jusqu'à quelle heure. On va faire une bonne session, on verra combien de temps elle durera de mon côté. Ensuite, ce soir, on ira sur du Mario Kart 8. Et oui les amis, Deluxe sur la Switch, de 18h à 20h30, si vous voulez venir jouer avec le Don Alex, c'est maintenant que vous pouvez me le dire, c'est après qu'on va aller dans le jeu. Vous pouvez me rejoindre tout à l'heure sur Mario Kart 8, vous êtes les bienvenus. On va essayer de faire des courses en multi avec les copains. Je voudrais vraiment qu'on puisse être beaucoup copains pour jouer, parce que vraiment, c'est un jeu qu'on a beaucoup en commun, les amis, et ça me ferait grave plaisir de jouer avec tout le monde réuni, avec pas mal de monde, en vocal ou pas en vocal, forcément, vocal
préférée, parce que du coup moi je peux aussi discuter avec vous, voilà, les copains, je parle surtout les nouveaux, évidemment vous pouvez venir aussi nous rejoindre en code SW, ou je sais plus c'est quoi le code pour Mario Kart 8 pour les courses, vous pourrez nous rejoindre depuis le chat, évidemment. Donc, la course n'est pas fermée à tout le monde, même les nouveaux peuvent aussi y participer, et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau dans le milieu du Mario Kart, c'est que je peux même mettre des nouvelles personnes. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées grâce à Mario Kart, il y en a une qui était venue pour jouer à Mario Kart et qui est revenue plus tard refaire des sessions, donc c'est ça qui est beau. Si vous êtes vraiment là pour faire de Mario Kart, c'est normal, vous avez vos jeux de cœur, forcément. Forcément, c'est toujours plaisir de vous avoir pour du Mario Kart. Ensuite, le planning de la semaine prochaine, il est très simple. Lundi, on ira encore sur du Ratchet & Clank Gladiator. On fera une session de 2h30 également, 2h30 dans la journée. Je vais mettre de préférence le matin, ce sera peut-être quand même le soir, je vous dirai ça demain matin. Voilà. Donc ça, c'est la premier jeu de la semaine. Donc Ratchet & Clank Gladiator. Ensuite, mardi, j'ai mis mardi pour l'instant pour deux lives spéciaux. Je vais voir si je fais des lives spéciaux ou pas au final. En tout cas, j'ai gardé mon mardi pour faire des lives spéciaux. Je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire des lives avec quelqu'un? Est-ce que je vais faire des lives sur des jeux PC session 2? Non, je pense pas parce qu'on n'a pas assez de jeux achetés depuis la dernière fois. Est-ce que je vais faire des lives spéciaux sur les jeux de combat? Je pense pas également parce que je voudrais attendre un petit peu quand même que la hype revienne. Les jeux de combat et qu'on puisse avoir une nouvelle liste de jeux aussi avec un peu plus de jeux, pourquoi pas, dans cette liste. Ensuite, mercredi, on ira sur du Zelda Ocarina of Time, les amis. Zelda Ocarina of Time, et oui, pour tous les fans de Zelda, ceux qui kiffent Zelda, ceux qui adorent Zelda, ce sera mercredi à partir, je pense, de 15h ou 16h, je pense peut-être 16h, 16h, 19h. On se fera 3h de Zelda. Toujours une session de 3h ou 2h45 pour que j'avance bien le jeu. Là, on a un donjon à se faire, on va faire un peu de secondaire, on va peut-être faire le prochain donjon juste après. On va vraiment essayer d'avancer comme il se doit pour que vous puissiez évidemment profiter un maximum de ce jeu incroyable qui est votre jeu à vous. C'est vous qui avez voté pour Zelda Ocarina of Time dans les jeux de la commu. Parce qu'en vrai, j'ai mis des points de chaîne à un taux élevé à 80 000, je crois, jetons mafieux. Argent de la Familia, pardon. Et vous avez dépensé 80 000 argent de la Familia pour que le Don Alex puisse réaliser ce jeu magnifique qui est Zelda Ocarina of Time. Magnifique, les copains. Magnifique. Ensuite, on continue. On continue à parler de ce planning, puisque là, on arrive à samedi 27 mars 2021. Et franchement, j'espère que ce sera mon meilleur live de toute ma vie. Je l'espère, parce que je pense pas que tous les ans, je ferai des lives en anniversaire. Là, on est encore en grande période un peu compliquée de Covid, etc. Donc forcément, j'ai préféré le privilégier à faire avec vous. Mais s'il faut, l'année prochaine, je le ferai avec des amis IRL. Peut-être que j'irai IRL faire le faire avec des copains. Peut-être des copains Twitch, pourquoi pas. Peut-être avec des copains IRL de base. Je vous dirai ça peut-être en famille. Je vous dirai ça dans l'année prochaine. Mais bon, j'aurais vraiment misé sur celui de cette année. Le live incroyable du Don Alex en 2021. J'espère que ce sera ce 27 mars, vraiment. J'espère qu'on va passer un très bon moment. J'ai préparé ce quiz thème. Vraiment, ce quiz thème va être l'émission de lancement et j'espère que ce sera le meilleur lancement d'émission que je fais. Je trouve que c'est l'émission où j'ai passé le plus de temps à bosser dessus. J'ai encore bossé hier dessus, dites-vous. Je vais encore y bosser dessus cette semaine parce que du coup, il y a encore des choses à ajouter. J'ai pas fini toutes les questions. Il y a 5-6 questions, évidemment, que je dois mettre des réponses précisées. Et puis, j'essaie aussi de le remarquer aussi sur un document parce que j'ai avoir à un moment une vérification de réponse pendant la manche finale que je vous expliquerai le jour même. Je vais pas tout vous expliquer, je garde la surprise en vrai pour tous ceux qui veulent découvrir cette surprise incroyable, évidemment. Du coup, le planning d'entrée, je vais expliquer aussi pour comment participer au quiz thème. Il reste une place pour le moment. Si vous voulez participer à ce quiz thème qui espère qui sera le meilleur démarrage, nous sommes actuellement 7. Pour l'instant, on est à peu près 7. 6, voire 6 quand même, parce qu'il y a une personne qui ne sait pas encore, elle m'a dit qu'elle me tiendra au courant. Mais on est quand même 7, cette personne a 7, donc il reste une place. Pour l'instant, il n'y a qu'une place en jeu. Si vous voulez cette place, faites point d'exclamation boutique du Don. Vous vous rendez dans la boutique où il est marqué achat, quiz thème, ticket, jeu vidéo. Parce que c'est le thème jeu vidéo. Vous prenez ce ticket,
et vous allez pouvoir participer au quiz thème. Je demande une restriction. C'est si vous êtes dans la chaîne depuis peu de temps, genre moins de 2 semaines, que vous connaissez, vous êtes venu que une ou deux fois et que vous êtes venu pour jouer à 2-3 jeux. Genre vous êtes venu pour jouer à Mario Kart ou alors vous êtes plus en l'heure. Je voudrais quand même vous connaître un minimum pour vous inviter. Tous les gens que je suis dans l'émission, je les connais très très bien de part et de là. Donc forcément, je voudrais quand même que la ultime personne soit aussi une personne qui est quand même de la commu, qui soit un viewer ou un streamer, une youtubeuse ou un streameuse. C'est pareil, c'est pas la question, ça surtout une viewer, que je la connais un minimum quand même cette personne. C'est à cette restriction que je demande quand même pour ce quiz thème, les amis. Donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous plaira, c'est vraiment l'émission où je me donne vraiment à fond pour vous. J'espère que ça va vous plaire de malade. J'espère que ça va vous plaire de fou furieux. Fou furieux, comme dirait évidemment Elise Moon dans un ancien show que j'ai connu il y a 10 ans de ça. Voilà les amis. Alors les amis, évidemment les amis, on va maintenant parler de 2-3 dernières informations. Ensuite je mettrai la caméra, vous inquiétez pas. Ensuite le Dan Alex va mettre sa caméra. Avec plaisir, même, je vous mettrai la caméra. Alors, je vais vous expliquer, les copains. Je vais vous expliquer. Le YouTube, le YouTube Game, vous connaissez YouTube? Vous voyez cette plateforme? C'est une plateforme où on fait actuellement beaucoup de rediffusions, où je mets des vidéos YouTube. Et oui, effectivement. Et bien, je vous dis, je vais essayer. Alors, aujourd'hui, ça va être dur, mais j'essaie la semaine prochaine de vous faire Blade et Harry Potter le 100%. Que je mettrai sur YouTube pour que vous puissiez vous allez vous comment dire checker tout ça, dire Don Alex, j'ai vu une nouvelle vidéo sur Blade, on a vu la fin de Blade. Je veux dire mais merci d'avoir vu cette belle fin de Blade. Oh et coucou mon cher Venom, et là le Don Alex et les gens, le salut du love et des bisous, comment vas-tu mon bon Venom, le bon Venom qui est parmi nous et qui vient nous faire un petit coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle matinée de ton côté. Je te donne beaucoup de love, je te donne beaucoup de bisous évidemment. Et ça me fait grave plaisir de te voir mon cher Venom. Comment s'est passé ta semaine? Comment s'est passé ta semaine? Dis-nous tout Venom, comment s'est passé ta semaine? On veut savoir comment s'est passé ta semaine et comment se passe ton week-end évidemment. Ça fait toujours plaisir de voir les copains de la commu, sachez-le, hein, que je suis toujours content de vous voir à chaque fois. Et Venom, je crois que je t'ai pas vu beaucoup ces derniers jours, donc plein de love à toi et des bisous. Et j'espère que tu vas bien actuellement mon Venom. Je passe surtout un très très bon week-end et je te donne énormément de love et de bisous. Ça va, tout juste réveillé, je travaille de nuit. Ah bah oui, forcément, nous avons dû te proposer toute la matinée du coup. Courage à toi pour le travail de nuit, j'espère que ça se passe très très bien de ton côté et que le travail de nuit, eh ben, tu mets beaucoup de strong et de luck et de tout, enfin, tous les la force, courage, le savoir, tout ça. Une grosse semaine avec peu de temps devant moi. Ouais, je comprends. Je peux comprendre mon Venom. Et ça se comprend. Voilà. Et si toi Venom aussi tu veux participer, aller prendre le dernier ticket pour le quiz thème, n'hésite pas à venir participer. Là vraiment les amis, n'hésitez pas, c'est bientôt le début du quiz thème. On commence le 27 mars, le jour de mon anniv, le jour du 12h de live multi. Donc n'hésitez pas là, les tickets, il est là. Ça va super en tout cas Venom. Oui ça va super, écoute, nous allons lancer dans un instant ce live sur Ratchet & Clank Gladiator. La suite évidemment, la suite de cette incroyable aventure que vous avez évidemment découverte il y a une semaine et qu'on va continuer aujourd'hui et qu'on continuera lundi également. Donc n'hésitez pas évidemment à me donner votre retour sur la Ratchet & Clank et sur celui-ci en particulier que je faisais quand j'étais jeune évidemment. C'est souvent des jeux de mon enfance que je fais sur ma chaîne, même dans les lives spéciaux par exemple, c'est des jeux de mon enfance ou des jeux que j'ai découvert dans ma vie. Voilà. Alors du coup, avant de lancer, je vous rappelle évidemment qu'il y a la commande Discord. Quelle est cette commande, Don Alex? Quelle est cette commande? La commande Discord, ça veut dire quoi, Don Alex? La commande Discord, c'est pour vous rejoindre le Discord, avoir les infos au jour pour les lives, pour plein d'autres choses que je partage des fois. Toutes les infos sur mon Discord, rejoignez ce Discord, n'hésitez pas à réagir dessus. Ça fait toujours plaisir de voir des gens quand ils réagissent dessus, parce que franchement, j'essaie de faire vivre ce Discord. Je me bats vraiment tous les jours pour le faire vivre, parce que je vais être une comique qui quand même, même si elle n'est pas grosse de base, je veux dire, là actuellement elle n'est pas non plus, il n'y a pas de millions d'ouvrures, mais vous êtes quand même beaucoup à être là une fois un jour, une fois un autre jour, donc n'hésitez pas les amis à vraiment aller sur ce Discord de l'amour, évidemment, n'hésitez vraiment pas pour pouvoir voir toutes ces infos, voilà. Et dernière information, et c'est pour ça que je vous la mets, il y a une commande aussi pour le 27 mars, donc n'hésitez pas à la taper, hop, 27 mars, et là vous avez
toutes les infos qui sont indiquées pour comment se passera et se déroulera ce 27 mars avec les lives du matin sur console, les lives de l'après-midi sur PC et le Quiz Time en plein milieu et le Marble on Stream pour vous faire gagner des récompenses. Il y aura 3 jeux à faire gagner, plus un sub offert, plus des jetons mafieux. Voilà. Donc il y aura à peu près 5 Marble on Stream en cours. Donc n'hésitez pas à participer à ces 5 Marble on Stream si vous voulez gagner une récompense des plus méritées, les amis. Voilà, ça c'était un petit peu pour l'explication de ce jour, pour l'explication de cet événement qui va arriver le 27 mars, l'explication de ces, de ce planning. Les amis, maintenant que j'ai vu avec incroyable, incroyable charisme, j'ai vu votre présence d'amour, évidemment, on va aller sur Ratchet & Clank Gladiator, les amis. C'est parti pour lancer la session. Mais j'ai envie de mettre ma caméra, évidemment. Hop, cette fois-ci, elle est là, elle est présente, la caméra. Et Don Alex va pouvoir enfin vous faire un coucou par rapport à hier, qui n'a pas pu vous faire de coucou encore, désolé pour hier, les amis. J'avoue qu'hier, je n'ai pas trop eu de chance. Ma caméra s'est déconnectée en début de live, donc du coup, on a eu un live sans caméra pendant un jeu de combat. Voilà, hop, oh, il est mal placé la caméra. Attends, je vais bien la replacer avant de faire les coucou, évidemment. Et le salut, du love et des bisous. Ça fait toujours grand plaisir de vous retrouver avec cette belle caméra. Et surtout pour vous voir et vous regarder. Bon, là, je vous regarde parce que je regardais le chat. Mais pour vous regarder, évidemment, voilà. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé, évidemment, un bon week-end. Toujours le grand plaisir de vous retrouver, les amis. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau de vous retrouver parce que sachez que je passe souvent mes débuts de live à me dire j'espère qu'ils vont être contents de me revoir. On sait jamais, hein, vous êtes triste ou quoi. Mais... Moi, je suis toujours content de vous voir, vous êtes des amis et j'abandonne jamais mes amis. Voilà. Donc, forcément, puis des fois, quand je vous vois pas, de toute façon, quand je vois pas sur le live parce que voilà, vous n'avez pas trop le temps, etc. Je viens prendre des nouvelles en MP, forcément. Il faut que je sache comment vous allez. Évidemment, vous êtes des gens que j'adore beaucoup. Ok. Alors, maintenant, on va passer sur la scène, évidemment, de Overlay Live. Voilà. Voilà. Et on va mettre, du coup, Ratchet & Clank Gladiator qui va se faire capturer dans quelques instants. Évidemment, le petit Shadow capturé. Et là, il bug pas. C'est ça qui est bien. Sur PC, il bug pas. Par contre, je crois qu'il marchera pas jamais sur mon Shadow parce que j'ai testé. Et il marque, en vrai, il y a une erreur de carte de capture, etc. Donc, forcément, je pense que le problème vient surtout de mon Naver Media, de mon boîtier de capture qui est vraiment dégueulasse, hein. En vrai j'aurais pas dû prendre celui-là si j'aurais su il était pas si terrible, en vrai, voilà. Nickel, du coup les amis, maintenant j'ai réglé ma caméra, maintenant j'ai réglé le jeu, on va faire start et on va partir sur la saga, évidemment, Ratchet & Clank, Gladiator, et j'espère qu'on va pouvoir avancer du mieux qu'on le peut. Oui, on était en concurrent, on était en mode 2 étoiles, j'avais dit pourquoi 2 étoiles d'ailleurs. Comment participer au quiz? Alors si vous participez au quiz thème, il faut aller dans la boutique du Don pour une exclamation boutique du Don. Donc boutique collée avec du, collée avec Don, donc boutique du Don, tout collé. Et ensuite, il y a un ticket qui s'appelle achat pour quiz thème, thème jeu vidéo. Donc n'hésite pas. De toute façon, il n'y a qu'une place disponible. S'il y a une autre place qui se libérera, j'irai voir les copains en préférence, ceux qui n'ont pas encore fait à prendre ou à laisser pour évidemment pouvoir leur laisser la chance. Et justement, toi, si tu veux venir, Venom, participer au quiz, n'hésite pas à acheter ton ticket. Si tu as assez de jetons mafieux, évidemment, ou si tu n'en as pas assez, n'hésite pas à aller un peu trafiquer tout ça avec les copains de la commune. Peut-être qu'il y en a un qui pourra te les offrir avec grand plaisir, en tout cas. Voilà. De toute façon, moi, je reçois un message sur mon Wisebot quand tu tiens acheter un ticket. Donc, je reçois et je le vois de suite. Et je demande qui c'est, la personne se dénonce souvent, ou si elle se dénonce pas, j'essaie de la dénoncer en MP privé, évidemment, pour savoir que. Voilà. T'en as 6000. Ah, et puis ces tickets sont combien? Je sais pas combien ils sont, mais je crois que j'ai baissé les tickets, hein, il me semble. Alors, nous, on va continuer évidemment là-bas. Il faut qu'on aille là-bas. Voilà. Donc ça, c'est la suite. Donc rappelez-vous, nous avons affronté un boss lors du dernier live. Nous avons fait beaucoup de petits niveaux. Nous avons affronté un boss. Nous sommes rendus dans la planète, je ne sais plus laquelle, je sais plus les noms des planètes. Voilà, c'était sur Chronos. On est sur Chronos. Et là, pour faire le tournoi du Vengeur, il faut encore que je débloque des points de terreur. Voilà, c'était ça le petit problème, c'est qu'on n'avait pas assez de points de terreur. Donc pour ce faire, il va falloir que j'aille sur certaines planètes faire des points de terreur. Donc on va aller faire ça, voilà. On va aller faire ça. Alors du coup, la station de Dread Zone, tous les points de terreur ont été validés ou pas du tout? Tout a été fini, hein. Difficulté terminée. Oui, bah tout a été terminé, donc ça c'est bon. Ok. On va le voir, hein, si c'est pas terminé, je pense. Non? Oui. Quand ça a été validé, ça a été terminé. Pour Saratoth, nous avons... Ah oui, regardez-moi.
Ok, on va faire regarder moi, on va faire la mission évidemment, la première mission qu'on voit, comme ça on va pouvoir avancer aussi la progression de cette incroyable aventure. Ratchet. Ah, dommage. Bah, n'hésite pas si tu veux vraiment participer. Je baisserai les prix dans tous les cas demain. Demain, ça diminuera par deux. Comme ça, il y aura plus de chances que les gens puissent les dépenser. Voilà, donc je ferai demain la modification évidemment sur mon PC, les amis. Et ah, vous pourrez peut-être pour 18h ce soir, comme le sort en live sur Mario Kart 8. Je vous ferai peut-être ce soir, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas. Hop. Alors, première course pour deux vaisseaux. Aïe, oh, il me prend des bombes. Alors là, c'est Don Alex qui fait son circuit. Oulala, c'est une circuit incroyable, Don Alex. Qui prend vraiment toutes les bombes. Aïe, ah, bon, alors là, Don Alex, tu peux pas faire de mineur. Hein. Le jour où on fait un des mineurs, les amis, c'est terminé pour moi. Ah, il fallait où? Hop, là-bas. Oh, ce vaisseau, il... Oh là là, bah là, je vais mourir, les amis, par explosion. Hein. Hop, allez. En plus, vous connaissez mon skill sur les jeux de PlayStation 2. Il est pas ouf. Oh là 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 là. Incroyable. Hein. Tout veut me faire sauter. Hein. Magnifique. 12 sur 34, et en plus, il y a encore plein de bombes. Ouais, oui, vraiment, ça va être dur avec les bombes. Bon, c'est terminé pour moi. Hein. Je crois que mon vaisseau va exploser. Hop. Bon, on va finir à pied, hein, évidemment. On va finir à pied. Voilà. Don Alex va finir cette course à pied, évidemment. Ah, c'est que je suis en train de tirer dans le vent, là, en vrai. Bon, bah voilà, très belle course, hein. 15 sur 34. En plus, on n'a même pas client qui peut nous aider, ça, c'est beau, hein. On est vraiment tout seul, là. On n'a pas de turbo, on n'a rien. 15 sur 34. Je pense que c'est la course, elle est beau. Hein. Il fait moi. 17 sur 34. Bon, on aurait pu le valider, hein, celui-là. Si on n'aurait pas eu les bombes, là, 18, regardez. 19. On va arriver à 21, 20, je pense. Avec notre temps. Bon, autant, on sait jamais, est-ce qu'on peut envoyer le jeu à pied, hein, évidemment. On sait jamais. Bon, je pense pas, hein, je pense que c'est perdu. Oh, on va faire les 23, 22, hein. Vraiment, c'est cool. 23, 22, on aura fait. Oui, on aura fait 23. Alors, en vaisseau, on aurait réussi, vraiment. Hop, bon, on aura fait 23. Ah, dommage. On aura fait 23. À pied. Bon, on a tenté. Hop. Ok. Ok, nickel. Continuez. Évidemment. Alors, on est reparti pour cette course de vaisseau. Deuxième partie, évidemment. Hop. Du coup, l'objectif de cette course, je pense, c'est de finir la course sans y mourir, évidemment, sans prendre les bombes. Parce qu'en vrai, ça, c'est des bombes. Hein. Si ça explose, bah voilà, vous perdez un peu de vie et ça, c'est un peu dommage. Ok. C'est vraiment un peu plus dur, je trouve, que la première fois qu'on avait fait ce course d'anneau lors du. Oh, ouais, attendez. Attendez deux secondes. Je vais mettre le son du jeu quand même, il n'y a pas le son du jeu, ça m'embête. Hop, je vais remettre le son du jeu. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait gaffe au son du jeu, j'étais sur mon. Ok, est-ce que c'est bon? Pas le son du jeu? Est-ce qu'il y a que moi ou vous aussi vous n'avez pas le son du jeu, les amis? Il n'y a pas le son du jeu là, what? Quoique si, peut-être. Ah! Si, c'est bon, il y a le son du jeu. Ah oui, il y a le son du jeu, bah nickel! Ok, on est parti. Il n'y a pas le son du jeu au début, hein. Excusez-moi pour le son du jeu, le retard que j'ai eu pour avoir compris qu'il n'y avait pas le son du jeu. C'est bon. On a le son du jeu, c'est nickel. Hop. On a presque la moitié. À partir de 17 anneaux, on a la moitié. Allez, on peut le faire. En plus, les anneaux, ils sont très très proches. Hein. Bon, on prend la bombe là, c'est pas très grave. De toute façon, là, c'est bloqué. Il y avait le blocus des gilets jaunes, le retour en 2021, évidemment, des gilets jaunes. Donc, le blocus sera tout un clank. Et ça, c'est beau. Ça c'est beau, c'est-à-dire que leur projet ne perdure pas. Hop! Magnifique, Don Alex. Allez! 29, 30, 31, ok. Ok, non, Don Alex, recule. Bon, il est pas trop dur celui-là. Hein. Ouh là là, il a failli prendre la bombe. Attention! Et ben voilà, on a réussi la première mission. Évidemment, Dread Zone, on va essayer de délivrer... les missions pour le tournoi du Vengeur, évidemment. Alors, quel est le but? Score 23. Ah, attendez, je m'en rappelle plus du tout, ceci. L'équipe Dark Star va devoir les détruire okay. Dans le temps imparti. Ok. Alors, je crois que c'est peut-être tout, hein. Bah, en même temps, je m'en rappelle plus des touches, hein, les amis. J'ai pas joué depuis 11-12 jours. Je me rappelle des touches. Ok. On recommence. Again. Allez. Ok, donc ça c'est pour tirer, très bien. Ça c'est pour tirer, très bien. Magnifique. Ok.
Magnifique, magnifique. Tu es de... Alors, tu as deux munitions de Fusionator. Nice. Je sais pas comment on les tire en vrai, Fusionator. C'est qui est dommage. Hop. Allez. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui est en train de me faire chier là. Il faut que tu tires là. Il fallait trouver un peu chiant. Mais qui me tire dessus là? Ah oui, d'accord. Il y a eux qui sont. Ah oui, bah ouais, bah je vais mourir moi, ouais. Mais comment vous voulez survivre? Comment voulez-vous survivre, le copain? Il me tire dessus à l'infini. Alors comment je pourrais tirer les bombes là? Je sais pas comment on fait pour tirer en vrai. Ah, c'est comme ça. Comme ça pour tirer évidemment les petites bombes bleues. Moi ouais, c'est une petite bombe bleue on va dire. D'ailleurs on reprend pas mal en tout cas des petites bombes bleues. Hop. Est-ce que vous avez déjà fait ce gladiateur les copains? Est-ce que vous l'avez déjà fait de votre côté? Est-ce que ça vous parle ou alors pas du tout? C'est la première fois que vous le voyez et jusqu'à présent vous connaissez pas du tout le jeu et vous découvrez en vrai là de votre côté également. Ça peut le faire aussi hein, si vous découvrez une Brad Pinkland. Je sais qu'il y en a eu beaucoup en tout cas qui sont sortis. Il y en a qui sont pas connus de par rapport à d'autres, forcément. C'est logique. Hop. Hop. Vous allez jouer, je ne connais pas du tout. D'accord. Pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, mon bon mesdames. Peut-être en plus, j'avais vu le 2 quand j'étais sur le 2, je me rappelle. J'étais là quand j'avais fait le 2. Hop. Il n'est pas simple, cette mission. Elle est vraiment pas simple. Juanita, si Ratchet okay. S'en sort cette fois-ci, oui. Je veux faire raser ce crâne magnifique. Ah bah, je vais faire de la trace, bien. Ne me dites pas que ce tapis est véritablement attaché à votre tête. Excusez-moi, ah, bah, quel enfoiré. Bah, quel enfoiré. Mais pourquoi j'arrive pas les amis? Regardez, j'en suis qu'à 9 sur 23 et on a fait beaucoup de temps. Il y a une touche que je connais pas encore. Ok, ouais, donc il faut vraiment les détruire avec cette arme là, ok. Bon, j'ai trouvé. Ok, vraiment mon problème, je pense qu'il vient du côté que je sais pas pourquoi tirer avec les, voilà, les bombes, voilà. Ah, okay. Oh, Blanco, coucou mon cher Blanco, comment vas-tu? Le son du jeu est trop fort les amis, j'entends même pas Blanco arriver, j'entends pas arriver Blanco. Je dois baisser de mon côté, le son du jeu est très très fort. Comment vas-tu mon cher Blanco? J'espère que tu vas bien, plein de love et de bisous à toi. Comment vas-tu mon bon Blanco? Est-ce que tu as passé une très belle matinée de ton côté? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en forme en tout cas? J'espère que oui. Et comment se passe ton dimanche? Est-ce qu'il se passe bien? Voilà. C'était bon tes frites maison? Mais oui, ah tu as vu ma photo du coup? Tu as vu ma photo ou alors quand je l'avais dit sur le chat, je m'en rappelle plus. Et oui, j'ai mis des photos évidemment sur mon Discord de mes frites évidemment. Magnifique, et puis bien sûr c'était très bon de voir créer encore ce soir parce que évidemment j'essaie de faire les plats pour pas avant que la date, voilà, avant que la date de la viande etc. expire. Donc forcément je vais en refaire ce soir le même plat ce soir. Voilà, donc du coup je vous dirai comment c'était encore une fois ce soir. Mais c'était très très bon mon cher Blanco. Et comment vas-tu toi sinon? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé un très bon week-end? Ça fait toujours plaisir. Comme je disais, de vous voir faire un coucou et voir que vous allez bien en ce bon week-end sain. Bien sûr que c'est un week-end sain, les amis. Bien sûr que c'est un week-end sain. On ne peut pas dire le contraire. Forcément. On ne peut pas dire le contraire. Hop. Petite bombe. Hop. Ben voilà, les amis. Voilà. C'est ça que je disais tout à l'heure. L'essentiel, c'est vraiment d'aller vite, en vrai. Parce que si on ne va pas vite, on n'a pas le temps de tuer toutes les créatures, voilà. Yellow, ça va, j'ai bien dormi. Ah bah c'est nickel, t'as bien dormi mon cher Blanco. Ça c'est magnifique. Un week-end sans sein n'est pas un week-end. Bah évidemment. Si c'est le week-end n'est pas sain, ce n'est pas un week-end. Évidemment, ça je suis d'accord mon cher Blanco. En tout cas si ton week-end s'est bien passé, ça me fait grave plaisir. Et non, c'est toujours un plaisir de te voir en pleine forme mon cher Chutemi. Mon cher voisin, oui, parce que la personne la plus proche de la commu actuellement, c'est Blanco, pour ceux qui ne savent pas. C'est vraiment la personne qui habite le plus proche de chez moi. Genre, vraiment, on est à pied, je suis à 25 minutes de chez lui. Hein. Et je crois que j'ai même pas la distance de 10 km, quoi. hello. Oh non, pourquoi c'est lui mon voisin? Pourquoi c'est Don Alex? Pourquoi lui? Non. T'imagines? Oh non, pas lui. Pas le Don Alex. Oh, pourquoi lui? Magnifique. En tout cas, si t'as passé un bon week-end, mon cher Chutemi, ça fait plaisir.
J'espère que ça va passer sur ma Minish Cap, évidemment. Parce que Blanco, il fait Minish Cap, j'ai vu hier. Mais sur Zelda, Minish Cap. Et en tout cas, les amis, Minish Cap, c'est un de mes jeux Zelda favoris. Pour ceux qui ne savaient pas. C'est partie des Zelda préférés et Zelda les moins appréciés forcément. Ils ne sont pas forcément tous connus, les Zelda. Celui-ci, partie des Zelda un peu oubliés. Alors pourtant, c'est un très très bon Zelda, hein, Majora's Mask. Majora's Mask également, mais ce Minish Cap, il est très très adorable. Voilà. J'ai le quatrième élément. Oh, bah c'était bien avancé alors, du coup, dans le jeu, pas du tout. Parce que du coup, j'ai pas tout vu, hein, parce que j'étais en train de manger. Mais c'est que t'as bien avancé, que tu penses que t'es bien progressé. Je me démerde sans backseat, Solus, du coup, du bois. T'as raison. Bah, courage. Courage. Donc voilà, on va éviter de backseat et de spoil Blanco, évidemment, dans son aventure. On veut qu'il finisse ça avec amour, gloire et beauté, comme dirait l'émission de l'époque. Donc, amour, gloire et beauté. Un peu les pépés. Blanco va bientôt terminer. Voilà les amis. C'est ça qu'on veut. Allez, 20 secondes. Allez, faut qu'on finisse ce défi les amis là. Faut pas qu'on recommence tout, hein. On vient de bien avancer en plus là. Allez. Ok. Magnifique. Allez. Allez Don Alex, détruis le dernier. Oui, on a réussi. Je crois que c'est bon. Défi validé. Nice. Des miniches qui font rêver. C'est exactement ça mon cher Blanco, c'est exactement ça. ouais ça va, j'ai bien avancé, bon, c'est nickel. Arrête de taper du pied au-dessus du lâche, je t'ai mis. Ah bah oui, forcément j'avoue que je suis désolé. Bon surtout que sur le chaussée, c'est un peu compliqué de taper pour le sous-sol, c'est. Hop, là je peux taper comme je veux, y'a personne en dessous. Ça qui est beau. Ok. On est parti pour le tournoi de Vengeur. Enfin le voici, le voilà. Et pas la Crystal Guardians évidemment, mais le combat, le tournoi même je dirais, du Vengeur, celui qu'on attendait de pouvoir se faire les copains. Et ça c'est beau. Ça c'est beau parce que je vous l'avais dit, je voulais vraiment progresser du mieux que je peux quand je faisais les lives dessus sur Ratchet & Clank. Alors je fais pas des sessions de 3 heures évidemment, j'en suis encore désolé de pas faire ces grosses sessions. Alors cinématique, profitez-en pour la regarder parce qu'après on part en combat. Si vous voulez dire vous voulez me dire si ça va faire Ratchet & Clank Gladiator de l'autre côté, n'hésitez pas à me le dire. Toujours un plaisir de vous voir sur ce belle aventure qui est Ratchet & Clank Gladiator. Tout de suite sur Box Info, le résumé des combats. Hop. La nouvelle saison de Dread Zone a commencé et elle promet de battre tous les records d'audience. Mais bien sûr. Se trouve un célèbre mafioso du nom de Ratchet. C'est moi le mafioso. Oui, bah, ça c'est bien, c'est pas lui. De Mactar. Et dire que d'autres chaînes osent le qualifier de héros. C'est désespérant, Dallas. Un autre concurrent à signaler est le compère sans pitié de Ratchet. Clank. Je n'ai jamais apprécié son allure, Juanita. Je suis soulagée qu'il ne soit plus en liberté, Dallas. Et heureusement, c'est Ace Hardlight, le quintuple grand champion, qui est une fois de plus le capitaine de l'équipe Pox des Exterminators. L'année dernière, Ace a sidéré... Pareil, une fois qu'on bat, lui, hein. Lui, il doit être fort, lui, hein. C'est le grand méchant, j'ai l'impression, non? Ou alors c'est notre grand rival, je sais pas. Je sais pas. Je me rappelle plus, en tout cas. Ça, c'est certain, Dallas. Ouais, je me souviens d'avoir entendu parler d'Ace Hardlight quand j'étais gamin. Ace Hardlight, voilà. C'était ce célèbre héros, tu sais, qui avait disparu. Ce devait être quelqu'un d'autre. Pourquoi un héros en tuerait-il d'autres pour de l'argent? Devine. Il est là. C'est fun. Il est là. Je ne comprends pas. Le voici, Starlight. Starlight. Où, là, hein, dans un jeu? C'est exactement ça, boule de poil. Et toi, tu vas devenir la... C'est bizarre, hein. Best of souvenirs. Il a dit qu'il était pas méchant quand il était jeune, et là, il est méchant. Très hein, bientôt, Lombax. C'est très bizarre, cette histoire. Ok, en tout cas, Starlight, on l'a recroisé. On l'a vu pour la première fois. Occupé à te battre, à sauter, bah oui, je suis occupé. Ça, attendez, je... j'ai une nouvelle amélioration de robot pour toi. T'es où? Ah bah je vais aller voir Al, évidemment, pour qu'améliore mes robots en premier. Une chose à la fois, voir combien ça coûte. Ok, Al. Viens voir. Comment on fait pour améliorer? Ah, c'est ici. Ok. Ah oui. Ah oui, il y a des améliorations de partout. Ah oui, attendez. Déjà, on va acheter tête chasseur. Oui. Ok. On va acheter toutes les améliorations de robots. Tout.
Hop. Évidemment, on peut pas acheter la comète A. Par contre, je voudrais acheter le cavalier pâle. Voilà. Magnifique. Voilà, nos robots sont améliorés. On a amélioré nos robots. Ça, on est prêt pour les prochains combats avec les robots. En tout cas, ça, c'est bon. Ça, c'est bon pour le moral, évidemment. Et on part sur le dôme de combat. Oui, retour au dôme de combat pour le tournoi du Vengeur. Allez, on va essayer de s'occuper, évidemment, de ce monsieur. De ce monsieur. Avec son cigare géant. Tournoi du Vengeur! Ok, nouvelle créature vient d'apparaître. On les a jamais rencontrés, ceux-là, encore, je Et crois. maintenant, Ah si, on les a le déjà rencontrés, eux. contre. Ah, par contre, la visée dans Ratchet & Clank, c'est l'inconvénient du jeu. Hein. Je vous le dis de suite, les amis, pour ceux qui ne savaient pas. La visée dans Ratchet & Clank est l'inconvénient. Alors tiens, je fais un tour des armes que j'ai, tiens. Attendez, je fais un petit tour des armes que j'ai achetées, que j'ai. Donc actuellement, j'ai à possession. Une même arme de plusieurs modifications alpha du même type. Une Alors, t'as série qu'est-ce que d'améliorations disponibles pour chaque arme apparaîtra au-dessus de la dernière ligne des améliorations. Tu peux supprimer une modification alpha Ok, à ok. tout moment. Oui, ok. Parmi les modifications alpha disponibles. Ah, ok. Ah, oui, d'accord. Ok, pas mal. Je viens de comprendre. Ok. Donc là, on a équipé notre place sous-mitraille d'une amélioration, les amis. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Et là, du coup, on a amélioré notre, voilà, notre lance tornade, là, le bouclier, là, pardon. Et là, lui aussi, il y a une amélioration. Et lui, on va encore l'améliorer. On va mettre électrique. Voilà. Et lui, il y a une modification alpha déjà, c'est ça? Ok, oui, ok. D'accord, je comprends comment ça marche maintenant. Hop. Ensuite, le sniper. Ah non, le sniper. Non. On fait arme par arme. On va leur mettre les améliorations. Donc, pour l'instant, on va mettre ces améliorations pour toutes les armes, évidemment. Le sniper, pareil, la même amélioration. Non, on va le mettre l'acide, tiens. Au sniper. Hop. Les bombes, on va lui mettre l'acide également. Parce que ça touche beaucoup d'ennemis d'un coup, les bombes. Et le lance-mine. Non, on va mettre électrique. Parce que quand tu lances une mine, ça va bouger comme ça. Forcément, ça va mettre le contact électrique sur toutes les créatures autour. Ok, pas mal. Pas mal cet équipement. Hop. Allez, on va tenter avec les mines. On va essayer d'améliorer un peu les armes qu'on a actuellement aussi, évidemment, pour que on puisse être prêt pour les prochains combats. Hop. Allez. Combien de manches il y a là? Ah non, il faut faire du score, d'accord. Il faut faire 72 scores. Ah oui, d'accord, j'ai pas fait gaffe. Ah oui, bah on va plutôt prendre une autre arme pour faire ça alors. Ok. On améliore au level 2 évidemment, j'ai les mines. On va changer d'arme, façon. Hop. On va prendre celle-là, évidemment, le Magma V5. Une très très belle arme, j'ai l'impression. Magma V5. Hop. Hop. En vrai, pour ça, ils disent beaucoup, Ratchet, il est nul, machin. En tout cas, c'est nous qu'on fait les meilleurs scores hein, dans leur aventure là. C'est quand même bizarre leur histoire de c'est nous qui est nul. J'ai l'impression qu'il y a un complot contre nous, façon. En fait, on a l'impression qu'on est les victimes de notre popularité. Qu'on est passé pour les méchants mais du gentil dans l'aventure. Gladiator. Et ça c'est dommage. Et ça c'est grave grave dommage. Ok, on a réussi la mission. Défi terminé! Allez, on continue. Continue évidemment. Hop. Ensuite. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Bouclier, bouclier. Je vais changer d'arme. Je vais prendre le. Les bombes. Les bombes. On va prendre les bombes. Hop, bam, hop. Alors les bombes du pack c'est de l'acide. L'acide permet évidemment de contaminer un ennemi qui prend des dégâts pendant qu'il m'attaque. Alors même s'il meurt pas parce que par exemple il met une bombe, il peut mourir de dégâts d'acidité. Alors là, il est acide, regardez, il prend des dégâts. Voilà, il va mourir forcément juste après parce qu'il a pris des dégâts bonus qui lui permettront peut-être de le battre. Si on a bien géré la technique. Est-ce qu'il me jette des pics là? Eh, c'est lui là-bas là? Eh oh! Vous êtes qui vous là? Pas mal de jeter des pics sur le Don Alex. Il est fou lui. Ok. Il est en train de me jeter des pics. Je sais pas si vous l'avez bien vu les copains, il me jette des pics dessus, normal. Non! Ok, ça commence. La mort du Don Alex commence déjà. Don Alex qui vient de garder son seau. Faut dire qui est. Hein. Don Alex qui vient de garder son seau. Dommage. Hop. Hop. Magnifique. Magnifique, c'est magnifique. Hop. Hop, on lui jette des mines. Alors lui, il est dur à battre en vrai. Je pense que c'est une grosse, grosse créature et quand tu veux l'affronter, bah,
suis pas sorti de l'auberge. Ok. J'ai les bombes. Prends nos munitions, reviennent à zéro une fois qu'on recommence les missions. C'est pas comme les autres ratchets ou enfin les autres ratchets qu'on a fait en live en tout cas où à chaque fois on devait aller à la boutique Gadgetron. La boutique Gadgetron afin de racheter des munitions. Voilà. Allez, on s'occupe d'eux. Mm-hmm. Ok, pour ouvrir les ponts, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Là-bas, il y a encore une arène. Une place, ça m'a l'air d'être une grosse arène. Oh, puis il y a Monsieur Apic qui est là. Tiens. Coucou, Monsieur Apic. Vous tombez à pic, justement. Hop. Non, le jeu de mots est bien sorti au bon moment. Vous tombez à pic. Hop. Hop. Il est mort. Une balle de sniper, il est mort, hein, quand même. Hop. On fait le ménage avec des snipers sur des petites créatures, ça c'est beau. Je vois pas dans tous les jeux qu'on affronte des petites créatures avec des snipers. Hein. Magnifique. Ok. Mm-hmm. Ah, il y a un vaisseau qui est arrivé, je l'ai pas vu, évidemment. Évidemment, le vaisseau de l'amour et de la mort à la fois. Hop. Sniper. Hop. Hop. Ok. Le sniper s'améliore d'un niveau. Pour devenir le fusionnateur level 3. Mais oui, ça c'est beau ça. Nickel. Ok, plateforme d'en face. Mm-hmm. Prochaine manche d'arène. Ouh, des tourelles. Oula, oui, je les détruis direct, les tourelles. Ça peut nous faire chier très très vite, les tourelles. Il suffit que... Hop. Il suffit que les tourelles fassent beaucoup de dégâts et qu'on les voit pas arriver. Hop, pendant qu'on fait des combats contre les ennemis. Hop, on se prend un coup de tourelle. Hop, Monsieur Applique est de retour. Hop. Ah, attends, j'ai vu ton message, bien évidemment. Je vais te lire dans un instant, l'ami. Dernière Assassin's Creed qui est offert sur PS4 en ce moment, évidemment, n'hésitez pas, hein, ceux qui ne l'ont pas, évidemment, n'hésitez pas à les récupérer. Le dernier Assassin's Creed PS4, il est offert parmi une liste de jeux qui va s'améliorer. Je vois qu'ils offrent beaucoup de jeux sur PS4, ça c'est beau. J'ai beaucoup donné d'indications aux gens comme quoi, évidemment, Final Fantasy 7 Remake était sur le PS Plus, il y en a plein qui ne le savaient pas au début. Et j'ai bien fait de l'avoir indiqué, je pense, aux gens, parce que c'est vraiment un très très bon jeu en soi. Le Final Fantasy. Le remake, je ne l'ai jamais fait de Final Fantasy 7, mais je sais que tu as une très très belle renommée, les Final Fantasy de base. Donc j'espère que ça vous plaira, les amis. N'hésitez pas à aller checker, évidemment, tout ça. Avec grand plaisir de vous donner mes retours sur les promos que je connais. En tout cas, on ne connaît pas des masses non plus. Hein. Puis en ce moment, je regarde sur celle de Steam, quand je vais sur Steam voir les jeux qu'il y a et tout, voir ce qui pourrait me plaire et. Et puis donc si jamais je vois des jeux Steam qui pourraient vous plaire, je vais en parler sur Discord ou en live des fois. Donc n'hésitez pas à être à l'info et en bien informé. Sur le programme Play at Home, voilà, j'ai vu qu'il y avait un petit programme qui s'était lancé également par rapport à ça. Ok, est-ce que c'est le tournoi du Vengeur, il est fini ou pas du tout? Il est pas fini, hein, le tournoi du Vengeur. Oula. Je crois que ça va être bientôt la mort du Don Alex, hein, évidemment. Hop, on va se dépêcher pour pas avoir de retard sur les plateformes, pour avoir même de l'avance, comme ça on va pouvoir toutes les gérer. Pourquoi pas les gérer, tiens. Hop, hop. Bonjour, qui êtes-vous? Hop, bombe explosée. Nickel. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme qui est toute seule? Bon, je sais pas à quoi le faire. Peut-être qu'il se passait quelque chose, je me suis dit, non, dessus, il y avait un bout en or ou un truc comme ça, un truc rare à trouver. Pas du tout. Ok. Ok, on a géré, hein, la plateforme. Hop. Évidemment, on a géré les plateformes. Oh là! Ah oui, il y a une tourelle qui était au sol, là, j'ai pas fait gaffe. Ah, oui, ah, ok, il y a une créature en haut. Oh, cool. Il y a une créature en haut. Et bientôt, il y aura d'autres jeux dans Horizon Dawn. Oui, j'ai vu la liste des jeux de mon côté, mon frère. Hop, ah, je suis mort, évidemment. Ah! Ça va. Ok, on va essayer de vraiment gérer un maximum leur jeu de plateforme, là. Hop, on a géré. Là, en vrai, c'est une ascension. Je trouve que c'est une ascension, on va affronter un boss en haut, j'en sais rien. On va voir, évidemment. Hop, ok. Ah, il y a un spawn à créature, c'est ça? Il spawn. Oui, c'est une créature, j'essaie de comprendre. Alors là, il faut se dépêcher, à mon avis, ça va se écrouler, voilà, je me suis douté. Hop, quel talent. Ah, merci. Voilà, c'est. On essaie de gérer, quoi. On essaie de pas faire trop le con. On essaie de gérer cette tour infernale. On a fait la tour de Mortal Kombat hier, donc après la tour de Mortal Kombat, je pense qu'il n'y a plus qu'une tour qui me retient. Jamais de faire ça chez vous, faites-le chez vos amis. Mais comment on fait là? Mais il y a un bug. Comment on fait là, les amis? La plateforme est en train d'être à l'envers. Forcément, c'est compliqué. Il faut qu'on gère le truc. Évidemment, faut qu'on gère le bon bail. C'est bon. Mange une sur une. Ok, on est parti.
Voilà. C'est bon, mon scripture est fini. Non, un vaisseau. On va le détruire le vaisseau. Il va pas apparaître comme ça. Évidemment. Allez, c'est fini. La manche est finie. Non, pas encore. Il y a encore un vaisseau. Vraiment, c'est Stargate hein, ici avec les vaisseaux. Niveau 6 du canon, nice. On est déjà passé au niveau 6 du canon, ça c'est beau. Ça c'est beau en vrai. Ça c'est méga beau. Hop. Hop. On va essayer de gérer un maximum. Allez. On gère un maximum du possible. Petite mine par-ci, petite mine par-là. Hop. Ratchet a atteint le sommet. Pas peine terminée. Et ben voilà. Nous avons fini le tournoi du Vengeur du coup, c'est bon. C'était fini. Pas du tout. Et oui, ils ont fini le tournoi du Vengeur, les amis, incroyable. C'est magnifique. C'est magnifique. Ratchet devient pilote d'un super tanker pour Zexon. Une semaine plus tard. Et voilà. Ratchet devient populaire. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau les copains, en vrai. Ouais. Ratchet devient aussi populaire que ça, etc. Ça c'est magnifique. Parce qu'au début, il le critiquait en mode oh, il est nul, c'est qui ton bac qu'on ramène chez lui, ouh, la honte et tout. Et au final, non. Les gens, ils l'aiment bien. Voilà. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Okay. Hop, Ratchet PSN gratuit avec le PSN. Plus, moi, j'ai vu Final Fantasy Remake et un autre jeu, mais je sais plus quoi. Alors, ouais, je crois qu'il est gratuit, Blanco, mais pas sur PlayStation Plus. Hein. Il est gratuit, mais il me semble qu'il est gratuit sur grâce à autre chose, mon cher Blanco. Pour le PlayStation. Enfin, autre chose que le PlayStation Plus. Les offres supplémentaires qu'on nous offre. C'est gratuit mais supplémentaire. C'est pas grâce au PS Plus hein, qui est gratuit, c'est grâce à autre chose. Je sais pas si c'est sur un site ou si c'est sur le store. N'hésite pas à aller voir sur le store au pire. Si vous mettez la PlayStation Blanco. Hop. On continue. Ah bah il l'avait dit en plus Play at Home. Con de moi, mais non, pas du tout. Ça arrive de se tromper. Voyons, Blanco. Ça arrive. Ça arrive à moi aussi, ça arrive à tout le monde. T'inquiète pas. Alors, l'arbitre. Bon, l'arbitre, on prendra plus tard. Hop. Ok. Si. Bon. Ratchet, j'ai vu des fromages plus dangereux. Allez, merci. Alors, pas encore. On peut pas encore faire le tournoi de char. Ok. On peut pas encore faire le tournoi de char. Très bien. Bon, du coup, vous savez ce qui va se passer. Maintenant qu'on a fait tout ça, Ratchet, je crois, on va devoir continuer à faire les blocages de zone. Donc on va faire le vol de nuit. Voilà. Piloter l'overship, je sais pas quoi, j'ai pas suivi. Étant con de base, ça m'arrive tout le temps. Oh, mais non. Faut rien dire ça. Personne n'est con, personne n'est bête. Voilà. Personne n'est comme ça. Évidemment. Hop. Ok. Chronos. Planète Chronos, les amis. On est parti pour la planète Chronos. Et cette fois, c'est du secondaire. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Pourquoi le restante? Ok, on est parti. Alors, il faut qu'on détruise évidemment toutes les tourelles. Alors, comment on va faire là? C'est ça les tourelles? Qu'est-ce que c'est ça? Bah oui, c'est ça. Bah, c'est bizarre. Il y a facile la mission, non? Ou je rêve? Bon, j'ai l'impression que la mission est très facile, les copains. Yo, ton toilette! Oh, et coucou, mon cher Fenrir! Le salut du love et des bisous! Comment vas-tu, mon bon Fenrir? Comment s'est passée ta matinée? Comment vas-tu? Ça me fera plaisir de te voir. Est-ce que je pourrais avoir. Je vous le ferai un SO pour Fenrir. D'ailleurs, je vais faire un SO pour Blanco. Évidemment, je vais lui faire le SO pour Blanco. Et oui, évidemment. Magnifique, 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 magnifique SFX. Ça, c'est un très bon SFX. Et comment vas-tu, mon cher Fenrir? Est-ce que t'as passé une belle matinée? Est-ce que t'as passé une bonne fin de live hier soir quand j'étais passé faire un coucou avant de reposer un peu mes yeux? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as passé un bon week-end? Et j'espère, on l'espère toutes même, que tu as passé un très bon week-end, mon Fenrir. Voilà. Ouais, merci, n'hésitez pas, merci, mon cher Blanco. N'hésitez pas à aller voir Fenrir parce que c'était quelqu'un d'adorable, un ami de la chaîne. Quelqu'un qui fait beaucoup de très bons jeux, il accueille très très bien les gens, il est adorable. Allez voir mon bon Fenrir s'il vous plaît, hein. Je vous recommande de fou cet ami. Avec 100% de plaisir, voilà. Hop. Alors attendez les amis, hein. je vous promets que je vais essayer de pas faire trop le bébête.
Alors je finis ce combat et après je vous lis. Hein. Hop, parce que du coup je vois qu'il y a beaucoup trop de toiles qui me détruisent. Donc il va juste finir ce combat normalement. Yo Blanco, je me réveille à peine. Et ben bon réveil à toi mon cher Fenrir. J'espère que ta nuit fut bonne et que t'as vu bien te reposer et que t'as passé une très belle nuit de sommeil. Bon réveil à toi, bonne matinée du midi du coup. Et plein de love et de bisous en tout cas mon bon Fenrir. Et non pas Blanco. Ah bah y'a pas de je sais pas Blanco. Blanco, c'est y'a Blanco. N'hésitez pas à aller voir Chutomi Blanco, si vous connaissez pas, non ce n'est pas seulement mon voisin de ville, c'est également la personne qui fait des jeux rétro, il fait des fois PlayStation, des fois du Zelda, en ce moment il fait du Zelda Minish Cap, n'hésitez pas à aller le voir, il fait du Zelda Minish Cap avec plaisir, il faut aussi un autre jeu je crois, je veux depuis longtemps à Alex, il a tout compris. Je suis pas Blanco, voilà le lien pour ceux que ça intéresse. Ah merci beaucoup. Ah oui, c'est vraiment que tu qu'on se connaît aussi Fenrir. Ça va faire un an presque qu'on se connaît bientôt. Mon cher Fenrir, ça passe vite hein. Ça passe vite les copains. Voilà. Trop tard c'est fait du coup Fenrir. Ah bah voilà. Ah oui, tu as déjà abandonné PS Plus. Les jeux abonnés PS Plus et Play at Home, mais tu t'en es rendu compte. Ah voilà. Bah bien vu. Voilà. Et GG les level up. Et GG tous les level up présents actuellement, c'est adorable. Voilà. Hop, action inversée. Pour ça, je fais des petites missions secondaires pour débloquer les missions principales, je suis obligé, évidemment. Donc voilà, on va essayer de gérer tous ces combats. Les orbes de sécurité, hop. Où les murs de l'arène s'effondreront sur toi. Ok. Et surveille tes arrières. Bien sûr, toujours je gère mes arrières. Vous avez vu, vraiment, je trouve que mes petites créatures, enfin les robots avec moi, là, ils gèrent très bien. Hein. Ils gèrent très bien cette aventure, les copains. Et ça, c'est beau. Allez, y'en a qui peut faire un piratage, s'il vous plaît. Un petit piratage en attendant qu'on gère nous les ennemis. Boum. Allez. C'est bon, c'était fait. L'autre en face. Allez, amis, moi je vais pas tenir 50 ans. Faut qu'on gère. Diable, je savais pas du coup, je suis grâce à toi, Punisher. Merci, Punisher, pour une indication. Pour évidemment ce play at home. Magnifique. Magnifique. Magnificent. Magnificent. Allez hop, c'est pas facile hein, les amis, on est en train de galérer j'ai l'impression. Hop, bon attendez, je vais prendre une autre arme parce que là j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à gérer. Allez pirater les copains, pirater. Ah oui d'accord, c'est par manche, ok non c'est bon, on est bon. Non c'est bon, on arrive, j'ai pas fait gaffe si c'était des manches. Je suis déjà foulé chez toi Blanco aussi, lol, bah oui, ça qui est beau, c'est vous venez tous du love entre vous et du soutien. Et ça ira plaisir les amis. Bien joué la bombe nucléaire qui vient de détruire les créatures. Ah oui d'accord, ça se rapproche je crois. Les murs se rapprochent, il faut les pirater pour pas que ça se rapproche de trop. Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est ça le but du mur là qu'on a actuellement. Ok, attendez, je vais prendre le plasmitraille évidemment, on va changer d'arme un petit peu. Donc on varie un peu nos armes, hein. Vraiment, sur les mêmes armes à un moment donné, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Hop, piratez-moi tout ça. Hop, évidemment on a des trucs vaisseaux à la mitraillette. Tel les films de Expendable. Tel un Expendable. Ah là-bas, faut pirater les copains. Vite, la barrière arrive. Cachez-vous. Oui, faut faire attention aux barrières les amis. Les amis, cachez-vous. Oh là là, on a fait mourir là. Ils s'en fout. Ok, on a géré. Nickel, oh l'amélioration level 3 du lance-mine, ça c'est bien ça. Dès que je peux aider, surtout pour des jeux gratos, c'est très gentil de ta part en tout cas mon cher Venom. C'est très gentil de ta part. Défi achevé, nickel. Et on a débloqué la planète chat. Et ben chat. Voilà, chat. Et Orsos. On va faire les deux planètes évidemment. On va aller faire les deux planètes avant de faire du secondaire. Donc du coup, on part sur la planète chat. Voilà, avant de faire le tournoi des croisés. Voilà, évidemment. Allez, on passe à la planète chat. Bien fait pour toi. Prochaine planète. Est-ce que Danalek va pouvoir gérer cette planète? Est-ce qu'il va s'en sortir du mieux qu'il peut? La question elle est ici. La question est encore douteuse. Est-ce que Danalek s'est bien joué à Ratchet & Clank? Ça, on le saura bientôt. Ça, on le saura bientôt, évidemment. Évidemment. Et bon appétit à ceux qui mangent, les amis. Hein. Régalez-vous, mangez bien pour ceux qui sont en train de faire un bon petit plat, etc. Mais bon appétit. Bon appétit. Oh non, pas la planète Char. Ah, elle est dure cette planète. C'est la plus dure, je crois, que j'ai connue quand j'étais jeune.
Elle est très chiante cette planète, vous allez voir. Elle est fatale for away, vous allez voir. Elle est vraiment très très dure. Elle est pas simple. Hein. Vous allez voir, cette planète, elle est vraiment épitoresque, comme dirait évidemment la menace. Elle est épitoresque. Est-ce que vous êtes prêts pour la planète Char, les amis? Hop, j'en profite deux secondes, qu'il y avait la cinématique pour aller faire deux, trois petits trucs sur le téléphone. Comme ça, je suis tranquille pour le live. Voilà. Alors, munitions. Est-ce qu'on achète, évidemment, l'arbitre? Ah, il y a aussi le fléau du scorpion. Combien il me manque d'armes à acheter, les copains? Il m'en manque actuellement encore 4. Donc là, il y en a 2 disponibles sur les 4 encore possibles. Donc, on a le fléau du scorpion. Et on a également l'arbitre. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de prendre l'arbitre plus tard ou le fléau du scorpion? Donc l'arbitre, si vous aimez bien le foot, et le fléau du scorpion, c'est si vous aimez bien, Scorpion, le film de Scorpion, le roi Scorpion, avec Dwayne The Rock Johnson, évidemment, très bon acteur, et aussi très bon catcheur à l'époque. Sachant que vous savez, j'aime bien le catch. Forcément j'adore Dwayne The Rock Johnson. Forcément, j'adore ce catcheur. Allez, première manche de la planète Char. Hop. Allez, faut qu'on aille pirater tout ça, les copains, là. Allez. Allez, les amis. Piratage obligatoire ici. Hop. Ok, ils sont protégés, j'ai l'impression. Ils se protègent tout ça, c'est bien, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus forts, mes robots. Et ça, c'est un bon avantage pour moi, en vrai, que mes robots soient plus forts. Parce que forcément, c'est eux qui me soutiennent. En vrai, c'est un peu le soutien que j'ai dans le jeu. J'ai pas Clank, mais j'ai les robots. Et c'est pas plus mauvais, les robots. Hein. En vrai, ils sont très très bons. Alors, je sais pas s'ils ont un nom ou pas, les robots d'ailleurs. Faudrait que je me renseigne dans. Prochainement dans les. Ah non, ils sont morts! Réanimons-le! Ah ok, c'est lui là, c'est le scorpion géant! Oh, mais depuis quand il y a un scorpion géant qui les tue, les robots aussi? Hop! Débarrassons du scorpion géant! Ouh, le scorpion géant! Ok, niveau 4. Je crois qu'on a fini la première mission parce que je vois déjà le robot à contrôler pour la manche 2. Ah, attendez! Il y a un ennemi qui va m'empêcher d'aller en manche 2. Ah, ok. Ok, prochaine manche, c'est maintenant. Il y a le robot qui est là. Ok. Défi terminé. Et le Don Alex vient de gagner 0 points de compétence sur 15. Mais par contre, il vient de se sortir vivant de ce combat contre le scorpion géant qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Le temple est divisé en 3 zones distinctes. Ok. Par des champs énergétiques impénétrables. Ok. L'équipe Darkstar devra désactiver ces champs énergétiques. Nous, nous sommes l'équipe Darkstar, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, les copains. Nous ne sommes pas l'équipe des stars, mais des Darkstar. C'est vraiment plus négatif, hein, le Dark. Forcément. Je vois qu'on a des problèmes avec nous. On nous appelait les Dark Stars. Alors je sais pas si c'est cet esprit de nous appeler Dark Stars parce qu'on est pour eux, on est des mauvaises personnes. Alors du coup, on est Dark. Je me demande bien si c'est pas par rapport à ça qu'ils m'appellent Dark Star. C'est une bonne question. Je viens de la poser la question justement alors, en même temps que j'utilisais ça pour rigoler. Oui, je crois que c'est ça en vrai, hein, au final. Ils appellent les petites Dark Stars parce qu'on est vraiment Dark en vrai pour eux. On a quand même 68 000 boulons, hein. C'est quand même pas mal, hein, je trouve. Protégez-moi, les copains. S'il vous plaît. Bouclier, ah oh, le bouclier, j'y fais plaisir. Pendant que je fais le croque-boulon, ça fait plaisir. Ok, GG. Ok, du renfort. Allez, les amis, on gère. Oh là là, c'est beau ça. Là, j'ai mis sur Attack on Titan, il y a beaucoup de combats. C'est vraiment que basé sur le combat. Et forcément, l'action, c'est ce qu'on aime le plus dans les jeux vidéo. Donc, forcément, ça me fait grave plaisir de vous faire des combats d'action de ce type. De côté. Ok, ramenons les robots à la vie, un petit IEM pour détruire évidemment la protection de ce robot. Aïe! Bordel! Oui! Ok, mais je n'ai pas la protection, elle y est plus. Elle était présente tout à l'heure, mais elle y est plus là. Ok, merci pour l'indication en tout cas. Merci Clank. Clank pour toujours vraiment à l'heure, hein, pour les bonnes infos. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau avec Clank, c'est qui est. Ah non, c'est Hal! C'est pas Clank, c'est Hal! Non, c'est pas Clank, c'est Hal, je crois, je me suis trompé les copains. Non, c'était Hal, c'est pas Clank. Par contre, mon robot, ils prennent cher forcément, il y a beaucoup de créatures d'un coup là qui apparaît. Forcément, c'est pas simple. Ok, on va s'occuper du robot. Il y a beaucoup de robots protégés, ça c'est chaud. La planète Char, en vrai, est vraiment un bon petit chien, hein. Vraiment, là, on peut le dire par contre. Ok, on soigne les robots. Allez, allez, Don Alex. Allez, c'est trop chaud. Au secours, je vais mourir. Il y a trop d'ennemis qui m'attendent.
attaque. Je crois qu'on peut le finir à pied, hein, ce passage au pire. Je vois, il y a beaucoup d'ennemis, c'est pour ça qu'on a mis un robot, mais je crois qu'on peut le finir à pied. Au pire des cas, c'est un problème. Voilà, on prend de la vie, on prend de la vie. Nickel. Ça, c'est bien. Pour la suite d'aventure, on reprend de la vie, ça, c'est bien. Ok, il va mourir. Ok. Protégez-moi, les copains. Mais protégez-moi. Bon, je m'occupe de lui à pied. Lui, il me saoule. Désolé, les amis, lui là-bas, là, ça va pas. Ça va pas du tout. Il est vraiment compliqué. Alors, moi c'était même pas au fait, tu vois, honte à moi. Oh bah merci, c'est gentil pour Fenrir. Vous allez voir, il est adorable. Ce bon Fenrir. Il m'appelle souvent le tonton Alex, c'est que j'adore quand il m'appelle comme ça, c'est nickel. Quand il dit souvent le tonton Alex, c'est cool. Par contre, ouais, voilà, on se débarrasse des ennemis aux alentours pour pas mourir quand même, ce serait un peu con. Sauve-moi, robot numéro 2. Hop. Nickel. Ok, la zone a été libérée. Hop. Ok. Détruis-moi ce vaisseau. Enfin, un vaisseau qui m'attaque. Hein. Vraiment un ratou, les amis. Hein. Le troll, le blanco troll. Bam. Bye bye. Comme dirait Ménélique, je te dirai bye bye. Évidemment. Évidemment, il avait tout prévu, Ménélique, dans ce jeu. Il a compris qu'il fallait dire bye bye à ces créatures. Hop. On est bon. On est très très bon, les copains. Par contre, je crois qu'il y a encore deux grands boulons à faire. Et ça va pas être simple à gérer. Parce qu'il y a quand même pas mal de créatures encore à se débarrasser. Hop. Ok, je pense pas demander aux robots de faire les grands boulons. Et moi, je vais les protéger. Hein. Tant mieux. Ah oui, d'accord. Ah oui, bon, on va plus pas survivre, les copains. Là, ils sont fous. Je veux qu'on meure ou quoi? Regardez, ils mettent des crapules les plus forts du jeu là. C'est vraiment pas simple. Hein. Ouais, bah ma vocation c'est survivre. La vraie, ouais, c'est vocation, les copains. Allez, allez, il y a de la vie ici, on prend. On répare notre vaisseau, forcément. Je voudrais quand même pas qu'on meure maintenant. On arrive bientôt à la fin de la mission là. J'ai accompli cette belle mission sans problème. Allez, les amis, on peut le faire. Le Don Alec peut le faire. Et crois en vous. Hop. Hop. Ok. Pour l'instant, ça va. Hop. Le vaisseau. Ah, bah les vaisseaux, faut les détruire parce que les vaisseaux, ils font très mal, à mon avis. Ils tirent vers l'infini, etc. On prend de la vie. Nice. Nice, nice, nice. La vie est importante, les copains. Hop. Allez. Hop. On va essayer vraiment de gérer les robots. Comme je disais tout à l'heure, le but, c'est pas de mourir maintenant, mais survivre. On arrive à la fin de la mission. Un peu dommage de mourir maintenant. Oh oui, il y a beaucoup de tourelles. Ok, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tourelles, j'ai vite fait demi-tour. J'allais vite mieux à l'abri, les copains. C'est bon. Allez, les amis, on soigne le robot. On va essayer évidemment de faire du mieux qu'on le peut. Allez. Hop. Oh, magnifique. Magnifique. Allez, les amis. Ok, nickel. On a réussi. Défi terminé, les amis. Ça, c'est beau. C'est grâce à vous, ça. C'est grâce à vous qu'on a réussi ce défi. Merci. Ok. Défi terminé, du coup. On va attaquer le prochain défi. Quel est le prochain défi? Quel est le but? Quelle est la mission? Quel est l'objectif? Capture les nœuds du temple. Nice. Pourquoi pas? Sous ces précieuses sculptures. Ok. Ici à Dreadzone, nous ne plaisantons pas avec la protection du patrimoine. Évidemment. Les générations futures regardent. Alors on va capturer les nœuds du temple. Ça va être plus compliqué comme mission, les copains. Les sites historiques dynamités. Parce qu'on a vu, il y aura beaucoup d'ennemis. Et je pense qu'on va devoir. On va trapier. Voilà, on va devoir gérer avec nos armes à feu. Alors qu'est-ce que j'achète? Tiens. Le fléau du scorpion est plus cher. On va prendre le fléau du scorpion. Ah ouais, le fléau du scorpion, il va être bien. On va tester le fléau du scorpion. Tiens, on va tester sur l'option à gauche là. Oh là là, quelle arme incroyable, ce fléau! Coup de fléau, les amis, hop! 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 Bah, ça c'est bien ça, ça c'est bien. Un petit fléau du scorpion fait toujours plaisir. Hop! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il y a des créatures, parce qu'il y a besoin qu'il y a des créatures ici, ok. Hop! Bon, le but c'est de faire le tour de la base et détruire tout ce qu'on trouve, vraiment. On va pas perdre notre temps. Oh, le fléau du scorpion, c'est une trop belle arme. Les copains, merci trop belle arme. De la Manerai 5 vert pomme de se présenter à la ok. Il est garé sur ok. Ma place de hop. Ok, alors lui, on va voir combien de coups avec le feu du scorpion. Deux coups. Waouh. Ah oui, l'arme est puissante en vrai. Deux coups.
On a mis 2 coups seulement. 4 coups, ok. Vraiment, alors le feu du scorpion est vraiment l'arme la plus puissante que j'ai pour l'instant. Là, c'est sûr et certain. Vous avez vu les dégâts qu'elle fait, les amis? Regardez, hop. Hop. Bah alors, on a pas le temps d'attaquer. Dommage. Dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh. Ah oui, ah oui, d'accord. Là, on peut casser ça. Ok. Protégez-moi, les copains. Protection. Ok, le bouclier est toujours là. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est mon équipe que j'aime. Ils me protègent de ouf. Ah, quand je vais l'améliorer, le feu du scorpion, ça va être foutu pour eux, après. Hop. Il est bientôt level 2, déjà, en plus. Ça va être chaud pour eux. Vraiment. Allez, protégez-moi, les copains. Bouclier protectrice. Ouais, le bouclier qui protège. Ça, ça va être plaisir. Bah voilà. Bah alors. Par contre, ma vie, elle descend. Mais pourquoi elle descend, ma vie? Mais what? Par contre, alors, le problème de cette mission, c'est la vie qui descend comme ça. On doit perdre, voilà, on perd de la vie comme ça. C'est... Aucun intérêt de faire perdre de la vie bêtement. Ça va m'énerver, par contre. Ah, vous connaissez, il y a des passages que j'aime pas. Là, faire perdre de la vie gratuite comme ça, j'aime pas. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça et ça a le don de m'énerver dans les vidéos. Regardez la vie qu'on perd. Ça, par contre, ça s'est abusé, je trouve. Surtout qu'on a bien amélioré notre vie, on a fait pas mal de missions avant et tout pour améliorer notre vie. Donc on peut perdre pas mal de vie à nos personnages. Enfin, en vrai, c'est une arme, ouais, quand on tire avec le feu du scorpion, on est immobile, donc forcément on peut plus faire de mouvement derrière. Donc je trouve que c'est mal fait en vrai. Bon, après, c'est mon avis, hein, évidemment. Chacun sa vision d'un jeu vidéo, mais moi je trouve que ça devrait pas avoir lieu dans un jeu en vrai. Hop. Ce genre de 3 coups maintenant. Bah, franchement, c'est 3 coups. Ok. Bah écoutez, à chaque fois qu'on va plus le coup de vie, on va reprendre de la vie quelque part. Il hein. Y a de la vie en bas. Il y a de la vie en bas. On ira faire la vie qui est en bas, du coup, les copains. Ok. Ça, c'est tu les ennemis aussi qui sont en l'air. Ça, c'est bon, par contre. On va chercher la vie en bas juste après. On va chercher de la vie en bas. On va se mettre bien, voilà, comme ça va ici. Ah! Bonjour! Enchanté! On va esquiver, on esquive, on esquive, on esquive. Les gars, esquivez, 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 esquivez. Bah, il est mort. On l'a eu. Bon, on va chercher la vie qui est en bas. Évidemment, comme je vous ai expliqué, le but va être de se soigner très souvent, du coup, dans le jeu, pour éviter de mourir. Hop. Et bah voilà. C'est bon, il est mort. Ok, tout le monde est mort. On va prendre notre vie. Donc, on a de la vie ici. On a de la vie ici. Est-ce qu'il y a encore de la vie? Ouais, ici. Ici, encore de la vie. Ok. On va aller faire le deuxième qui est en face. Qui est dans une sorte de salle étrange. On va y aller maintenant. On va aller faire maintenant la salle étrange. Je pense que ça sera effectué. Ce sera un point en plus de fait. Ok. Bonjour. Oh. Je crois qu'il y a des ennemis qui sont arrivés derrière. Ok. On s'en occupe. T'inquiétez pas, on s'en occupe. Ça nous fait monter de l'XP, évidemment. Et gagner des boulons. Donc forcément, ça fait toujours plaisir de les affronter. Voilà. Et les robots, ils gèrent bien. On va soigner mon robot numéro 2 qui est mort. Alors attention les amis, beaucoup de tourelles ici. Ah oui. Ok, on a géré les tourelles. Maintenant les copains, protégez-moi. Je vais déverrouiller le crank-boulon. Ok. Hop. Ok, nickel. Hop. Ok, pour l'instant on gère bien les copains. Je sais pas ce que vous en pensez, les copains, je pense qu'on gère bien pour l'instant ce combat intense. Ali Tenso. Magnifique. Magnifique. Allez, protégez-moi les amis. Ah non. Wow, c'est ça que j'aime pas. Petite surprise comme ça, j'aime pas. C'est bon, ils me feront plus chier. Ils me feront plus chier, ils m'ont fini par assez. Mais regardez, je vais mourir encore ici. Vraiment, ce passage-là, il est infaisable. Ah, c'est bon. Hop. Allez, couvrez-moi les copains. Couvrez-moi. Il y a des créatures qui ne respawn. What? Allez, on va gérer. Ok. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple tout ça. Tout se passe. Bas dieu bleu. Pourquoi on a fini la planète? On a fini la planète. On va aller faire Petorxon du coup. Hein. Ah bah oui, on va sur Petorxon forcément. Quand on finit une planète, on va sur une planète. Ok. On profite du coup. On change de planète pour faire un petit truc. Ok, donc ça c'est bon. Ouais.
Et c'est vrai que, enfin, quand même, faut que je trouve un moyen de... Il y a des notifs que je n'arrive pas à retirer. Je crois que je les retire si j'y arrive. Tous les enfants de la galaxie savent que porter le bon pyjama okay. peut leur donner des super pouvoirs. Je suis Gamatron, mes yeux tirent des Nickel. Je suis réacteur, je mange. On l'a pas déjà vu cette scène? Ah non, on l'a pas déjà vu, c'est une autre scène. Ah bah elle a bien volé. Et lui rigole. Quel moqueur. Monsieur, les derniers résultats des ventes sont là. Quel moqueur. Personne n'achète la nouvelle gamme de produits S Hardlight. En fait, les ventes sont en baisse dans l'ensemble, sauf pour les oreilles velues de Lombax. On vend ça ? Oui, eh oui, monsieur, c'est un accessoire. C'est nous qu'on vend le plus dans le commerce, les copains. Tu as apparemment commis une erreur stupide. Au niveau B pour la désintégration. Oui, monsieur. Attends ! Monsieur ? En y allant, on demande au labo de préparer un test d'intérêt. Il faut trouver pourquoi ces gadgets ne se vendent pas. Moi je sais pourquoi, monsieur. Parce que nous on a de la classe, nous on fait ça pour la passion, l'amour du combat. Il y a des choses sans négativité alors que Ace Hardlight c'est un méchant. Il fait ça pour tuer des gens, pour le plaisir de tuer. Et je pense que ça plaît pas au public de Vel'Guin, de Orkson. Putain, plein d'Orkson, c'est longtemps qu'on n'a pas été d'ailleurs. Vous la verrez plus tard dans notre assiette. Je dirais pas lequel, mais dans notre assiette on la revoit. Très bien, on est sur la bête Orkson. Alors, on va faire un truc avant de faire la mission. Je vais regarder combien de planètes il nous reste encore à faire dans le jeu. Parce que je crois qu'on va faire 4 ou 5 lives, vous avez dit, sur le jeu dans le deuxième. Et je vais voir si on a bien progressé ou pas du tout. Alors, monde. Alors, combien encore de planètes après 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a encore 7 après. On a encore 7 planètes. Là, c'est le deuxième live. Alors, en 2 lives, on a débloqué combien de planètes au total? Donc, on compte pas évidemment les planètes de Red Zone. Donc, on a fait débloquer 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a la 6ème. Donc c'est-à-dire qu'on débloquerait 1, 2, 3 lors du prochain live. Et le quatrième live, ça ferait 1, 2, 3. Ouais, donc il reste 2 voire 3 lives maximum sur Ratchet & Clank de mon côté. Voilà, je vous dis maintenant, hein, comme ça vous êtes au courant. Début avril, on ira du coup sur... voilà, vous êtes au courant. On aura plus... On avance très bien. C'est combien de temps qu'on est en live en plus? C'est que 1h17, s'il faut, on fera même une prochaine planète après celle-ci si on a le temps. On doit faire peut-être du défi secondaire, je ne sais pas du tout. Ça pue ici. Ouais, elle a l'air d'être plus compliquée cette planète, les amis. C'est bon. La planète après celle qu'on vient de faire. Tu as le choix entre deux chemins différents. Oui. Que les deux soient aussi dangereux l'un que l'autre. Ouais, mais prends celui de gauche. Prends celui de gauche. Gaucher. Prends celui de gauche. C'est très, très résumé pour moi. Le gaucher, c'est celui de gauche. Hop. Donc, on va prendre le chemin de gauche. Allez, livrez-moi le chemin de gauche. Allez. Hop. Évidemment. Et si vous me prendre celui de gauche et celui de droite en vrai. On va prendre celui de gauche quand même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Des snipers. Ah bah ça tombe bien que j'ai un sniper. Moi j'ai pris un de se prendre à gauche. Hop, par contre ils font très très mal. Allez, déverrouillez-moi ça les copains. Hop, avant que le renfort arrive. Hop, ok, j'ai plus d'armes. Ok. On va prendre évidemment le fléau du scorpion. Mon arme préférée pour l'instant c'est elle. Le fléau du scorpion, vraiment. Hop! Elle fait une grâce dégâts! Allez, mets-moi une EM! EM les copains! GG! Voilà! Oh là là, l'EM! Incroyable! Mais quelle arme, les amis! Quelle arme! Là, c'est beau ça! Ça qui est beau! C'est le suspense des combats avec le EM! C'est magnifique! Ok, niveau 3 déjà, le fléau. Il est déjà niveau 3. Là, elle a pas tant d'améliorer, elle passe déjà niveau 3, c'est en mode... pas le temps. Déverrouillez-moi ça, les copains. Allez-y. Ok. Prochain chemin. Ah. Ça m'a l'air d'être un peu calme, ici. Déverrouillez-moi ça. Ah, du renfort. Bah, forcément. C'est trop calme pour être vrai, comme on dirait. Déverrouillez-moi ça. Il y a que des ennemis, n'inquiétez pas. Bah, venez chez vous. C'est bon. On y va. Il y a quelque chose d'esthétique dans une explosion. Ok. Ouh. Ok, il y a du renfort là-haut. Hop. Bon, par contre, pour ceux là-haut, j'arrive pas à les avoir. Je vais les avoir à la manière de Don Alex. Hop, évidemment, avec mon arme V6. Des créatures qui sont en arrière. Ok, on va s'en débarrasser. Pour avoir plus de boulons. Pour avoir plus d'améliorations également. Voilà, tout a été un avantage. En fait. Alors, le bouclier, ce serait bien ici. Le bouclier...
Hop, petit bouclier de protection. Alors, vous n'avez pas touché le Don Alex? Mais bizarre ça. Et pourtant à ses fesses. Voilà, on se protège. On se protège de fou là. Attention, pas de bouclier. Attention. On va attendre qu'il s'améliore level 4 et on va attaquer. On va attendre que ça s'améliore level 4 qu'on va attaquer. Mets-toi améliorer level 4, de toute façon ça va vite monter. Hop. Allez, on va y arriver. On va y arriver, Don Alex. On y croit. Mais c'est bizarre, t'arrives pas à me toucher. Comment ça se fait? Bah, comment ça se fait? Ah bah, on va savoir dans quelques instants, voilà. Bouclier level 4. Comme ça, on améliore un peu nos armes en même temps, ça c'est bien. Ça c'est bien pour la suite de l'aventure, je pense surtout, parce que je pense que plus tard, on va devoir vraiment gérer ça. Voilà, détruit. Hop. Malin. Ok, le renfort. Non, je vais y aller, m'inquiétez pas, je vais gérer la zone. Allez, déverrouillez-moi ça avec les, avec votre piratage. Oh là, ils sont très cool ces robots. Attendez, il y a du renfort là-bas. Je m'en occupe. Passez derrière moi. Hop. Ah, plein de munitions ici. Ah, il la vit. Ah, ça c'est beau. Ok, on est bien. Mi-chemin. Je verrais bien un peu plus de chic et de molard. On est qu'à mi-chemin. Putain, c'était une longue mission alors, j'avais bien raison. C'est pas une mission très simple. Allez, ramène-moi des vaisseaux, des créatures, tout ce que tu veux. Voilà, évidemment, ramène un vaisseau. Oh oh, dans mon futuré, une roue d'engrenage. Je sais pas ce qu'à quoi ça va servir, mais ça va assez cool. Hop. Ok, défi terminé. Premier défi terminé sur Orkson. On va attaquer le second défi dans un instant. Alors quel est le second défi? Quel est le but? Est-ce que c'est encore des portes à déverrouiller ou pas du tout? Contrôle les nœuds. Ok, alors ça c'est une mission, on va devoir beaucoup se déplacer. Notre concurrent va devoir atteindre le second niveau et capturer 6 nœuds de contrôle. Très bien, alors attendez, avant de faire ça, évidemment, recharge de munitions, on récupère l'arbitre, évidemment, et on aura tous ces trucs, transformation, mini-bombe et le gel. Ça c'est les oméga, les bonus oméga qu'on avait vu tout à l'heure en début de live. Pour ceux qui se demandent. Voilà. Nickel. Alors, on va utiliser du coup l'arbitre. Bah alors, carton rouge, monsieur. Carton rouge. Et voilà, carton rouge dès le début. Les copains. Ça rigole pas les cartons rouges dans le jeu. Hop, je suis l'arbitre. Carton rouge, monsieur. Carton rouge. Voilà, un petit carton rouge. Mérité. Hop. Oh, il y a beaucoup de cartons rouges à mettre ici. Hop. Allez. Ok, on prend cher par contre. L'inconvénient, c'est qu'on prend très cher ici. Protégez-moi, le temps que je déverrouille ce cranque boulon. Magnifique, allez, et de 1. Il n'a pas bien à faire, 5 ou 4. 4 ou 5, je crois qu'il y a à faire. Ok, on a fait le premier. Hop. Oh, les petites Dark Stark, elle est magnifique. Ce poilu est déchaîné. Il y a des spawns. L'ennemi a des spawns, les copains. Malédiction! Il y a une malédiction dans la lave! Dans la lave d'acide! Magnifique! Oh mon dieu, il a dispawn d'un coup! Normal! Ah non! Ah, c'est une malédiction! C'est une arrivée, c'est une malédiction, les copains! Ah, je me suis pris des dégâts dès que je suis arrivé parce que j'ai pas vu qu'il y avait des tourelles! Malédiction du Don Alex! Hop! Allez! Protégez-moi, les amis! Ok, il y en a encore 4 à faire après! Il y en a 6! Ok, il y en avait 6 en gros! Ah, pas simple! Et le 2! Vas-y, ramène-moi les ennemis ici, je m'en débarrasse maintenant. Voilà. Il y en a encore d'autres? Voilà! Ah, après ils m'affrontent, ok. Mais ils sont fous, ils mettent des vaisseaux qui m'affrontent maintenant. Et ils veulent vraiment mourir, hein. Ils veulent vraiment que je meure. Hein. Par contre, on perd beaucoup trop de vie et ça me fait peur. Peut-être qu'en bas il y a de la vie, je vais aller voir en bas s'il y a de la vie. Peut-être qu'en bas il y a de la vie et c'est là qu'on a récupéré notre vie, on sait rien. J'ai l'impression qu'on a plus beaucoup de vie là, c'est un peu flippant. Allez, prions qu'on a de la vie en bas. Prions pour qu'on a de la vie en bas. Allez. Oui, il y a de la vie là-bas. Hop. Nickel, on est de la vie. Bon, on n'a pas eu beaucoup de vie, on est de la vie. Déjà ça. Ok. Est-ce qu'on a de la vie ici? Évidemment. On se débarrasse des tourelles. En premier. Aïe, 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 pris des dégâts. Dommage. Couvrez-moi les copains. Évidemment, le temps que je fasse ce croque-boulon,
et qu'on s'en va très très vite ici avant de prendre des dégâts. Troisième nœud détruit. Oh là là, les amis, on gère. On gère du mieux qu'on peut. Ça qui est beau. Ok, j'ai plus beaucoup de munitions d'armes, par contre ça devient plus compliqué. On a regagné de la vie. On a regagné de la vie. Ça c'est pas mal. On a regagné de la vie, ça c'est pas mal. Attention, les tourelles vont apparaître. On les détruit en premier. Tourelle en premier, hein, toujours. Ah, j'ai plus de munitions. L'arbitre. Voilà. Bien joué pour le carton jaune. Très bien joué pour le carton jaune. Quatrième cran de boulon qu'on fait. On a encore 23 de vie, ça va. On a monté un peu plus en vie là, on est bien. Alors le vaisseau va. Ah, y'a pas de vaisseau ici. C'est vraiment des ennemis qui spawnent. Ok. Y'a pas de vaisseau ici. Ok. Très bien. Ok, c'est juste à côté hein, le prochain qu'on doit faire. Hop. Ok. Le bouclier. Non, le fléau. Oui, le fléau. Avant tout, le fléau. Aïe, ah, en premier. Aïe, ah, il m'a eu en premier. Ah, ça me fait peur par contre. Ouais. Ouais, ça me fait peur parce que j'ai pas vu. Y'a des petits tours. Hein ? Il se passe quoi ? Y'a quoi ? Mais qu'est-ce qui me touche ? Mais lui, il était pas là. Ah, il y a des petites tourelles. Oh, on les a pas vues. Il y a des petites tourelles comme ça, toutes petites comme des MMMs. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça va. On revient pas tout de début. On a encore quelque chose à faire. Ok. Ouais, désolé, désolé. J'avoue que j'ai pas vu les petites tourelles. C'est ma faute. Bon, c'est pas grave. On va prendre nos erreurs, comme on dit. Hop. Allez, le PO. Voilà. Et bah voilà, le ménage a été fait en deux coups de PO. Je dis, le fléau, c'est vraiment l'arme ultime du jeu. Enfin, quand tu utilises fléau, c'est vraiment pour un maximum défendre la zone. Ça, c'est pas mal. Et bah bien, 5 nœuds, c'est pas mal, mon coco. Mais... arrêtez avec vos vaisseaux bizarres, là. Ils m'attaquent à chaque fois. Allez, détruis-moi ça, là. La destruction des robots. Oh là là, cette arme incroyable. Elle one-shot tout, hein, la destruction des robots, les amis. Enfin, le fléau, elle est magnifique. Hein. Vraiment, le fléau, elle est ultime comme arme. N'oubliez pas que tout à l'heure, d'ailleurs, les amis, on ira sur Mario Kart pour ceux qui ne savent pas. Ça intéresse des gens de venir jouer avec nous en multi. Vous êtes les bienvenus, évidemment. Un peu de course de Mario Kart, c'est toujours le plus grand bien qui soit. Hop. Hop. Et on déverrouille, évidemment, le dernier cranc-boulon. Défi numéro 2 terminé. Magnifique. Wow, on finit le deuxième défi. C'était de l'explosion. Qui aurait cru que ce combustible hautement toxique fuyait à l'arrière de l'usine et mettait en danger... Défi terminé. Yes. On est bien. On est bien, on est bien. Ok. Ok. Troisième défi. Qu'est-ce qu'on va avoir à faire là? Pirate les orbes. Ah, ça on connaît ça avec le robot. Les fans de Dread Zone commencent à en avoir plein. Embuscade à la raffinerie. Dépêchez-vous, Melascar, ce combustible pestilentiel. En vrai, on avance très très vite, hein, j'ai l'impression. Ça fait une heure et demie qu'on est en live, on a fait beaucoup de choses déjà. Le jeu n'est pas si long en vrai. Allez, les copains. On va devoir défendre la zone. C'est parti. On défend la zone. Allez, les copains. Déverrouillez-moi tout seul. Allez, déverrouillez-moi tout ça. Ça va être très très vite, en plus on va améliorer nos robots, ça c'est bien. Après on ira améliorer nos robots de nouveau, hein, je pense. Hein. Évidemment. Bon, ça va, c'est une mission de déverrouillage, ça devrait pas être compliqué. En soi. Allez, ici. Hop. On protège nos copains les robots. Ok. Le fléau. Bah alors, vous n'allez pas nous attraper, on a un coup de fléau. C'est bien en vrai. Le fléau va nous aider pas mal dans cette mission. Voilà. Ah bah oui, en même temps j'ai le fléau. Va me battre avec un fléau. Va me battre avec le fléau, les copains. Oui, le fléau c'est vraiment l'arme ultime. Alors c'est un souci, tu utilises le fléau, tu débarrasses toute la map. Ah, attendez, hop, je me débarrasse de lui. Je vais pouvoir faire les ennemis qui attaquent nos robots. Nos copains les robots, même. Hop. Allez les amis, plus que deux les copains, allez-y, je vous trouve. Voilà. Ok, les robots nous attaquent. Ok. Ah bah on va envoyer les vrais ennemis, on a fini la mission là les copains.
vos ennemis, envoyez-les, hein. Ok, on a réussi. Prochain défi. Que va-t-il être? Alors, détruis les encres. Ah bah ça va le faire, ça. Quelle longue. Il y a plus de défis que la mission d'avant. Vous avez vu, il y a vraiment, je pense, en fonction des planètes, on a des missions plus longues et plus faciles que d'autres. Il y en a qui sont plus dures et plus courtes, peut-être aussi. N'inquiétez pas, on va gérer la mission. Ouais, je vais gérer, n'inquiétez pas, je vais détruire en 5 coups. Donc, ok. Détruisez-moi ce monsieur en. Voilà, le robot là. Merci. Voilà les copains. Alors pourquoi je n'ai pas Non c'est bon. C'était un petit bug. Oh. Oula, explosion. Prendre la vie évidemment. Le but étant de pas mourir. Poussez-vous. Laissez-moi désancrer cette encre. Oh. Magnifique. Poussez-vous. Il y a beaucoup de robots hein, et de vaisseaux d'un coup. Ok, la première il y avait vraiment personne, là il y a beaucoup d'ennemis d'un coup. On va devoir faire attention à tout ça. Bon, elle est pas très dure cette mission. En vrai de vrai, elle est pas très dure. Bonjour! Peuple, robot! Hop! Heureux, mon mauvais homme, heureux! Ça toujours ou quoi? Hop! Allez! On va y arriver, les copains! On va y arriver, bordel! Hop! Hop! J'étais toujours à l'affût! Ah bah nice! J'espère que je suis aussi bien mon Venom! Ok. Oh là là! J'ai entendu une bombe exploser, j'ai eu peur! J'ai pris un coup de recul! Hop! La foule est en émoi. Allez, on va prendre la, du soin! Ok! Est-ce que je peux faire un saut? Ah bah oui, bah ça je savais pas, bah oui on peut faire des petits sauts magnifiques. Des petits sauts de l'ange, comment on les appelle. Ok. Hop, oh là là, il y a du monde là-bas. Il y a du monde qui m'attaque. Hop. Allez, plus qu'une encre et on est bon. J'en suis beaucoup de notices d'un coup, je les retire du coup. Hop. Hop. Ok, elle est où la dernière encre? Elle est là-bas. Il y a personne à l'encre, hein. Ça va être facile pour eux. Voilà, bah alors, on a réussi la mission facilement avec l'encre. Abordage. Campagne terminée et on a eu le badge bleu. GG, on a eu le badge bleu, les amis. On a réussi. Et bah voilà. Et du coup, nous n'avons toujours pas débloqué le tournoi des croisés. Par contre, nous avons le tournoi des croisés, la ceinture de Valix 3. 4, 5, encore 7 planètes à déverrouiller. On a fini le jeu, les amis. Ça, c'est beau. Et nous, évidemment, on va retourner. Alors, on va retourner dans la station de Red Zone. Voilà. Dans la station de Red Zone. Et je pense qu'on va aller faire les petits défis d'arène. Voilà, comme ça, au moins, en attendant, on pourra se faire des petits combats d'arène. Pour débloquer, évidemment, des points de. Je sais pas comment on appelle ça. Des points de guerre, là, je sais pas quoi, là. Pour pouvoir aller faire le tournoi des croisés. Station de Red Zone, on y arrive. Ça y est. Alors, combien on a de boulons, tiens, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. On a 69 000. Alors, non, je n'achète rien ici. Je vais aller voir pour améliorer mes robots, là, mes copains robots. Ah, bah ça y est, tu as pris ton ticket Venom. J'ai reçu une notif. C'est toi, mon Venom, qui a pris le ticket, du coup. C'est bien toi. Dis-nous tout, hein, si c'est toi. Ah, bah, écoute, si c'est toi, bah, GG pour ton ticket. Attends, on va acheter ça en premier. Hop. Évidemment. Voilà. Comme ça, on a plus rien acheté avec le robot. On a tout amélioré. Hop. Le robot est amélioré. Oui, ça y est. Ah ben, GG. Bah, écoutez, pour le moment, nous sommes complets pour la session de Quistem, les amis. Donc, GG à vous pour vos tickets. Merci encore de vos achats, les amis. Pour l'instant, on est 8. Alors, peut-être qu'on sera 7 entre 2. Je vous ai dit, hein, ça dépendra des stations de dernière minute ou etc. GG Venom qui est le dernier participant du quiz thème. Et ben en tout cas les amis, on sera bien 8 lors de mon anniversaire le 27 mars. Et on espère que ça vous plaira. Les aléas de la vie. Voilà, les aléas de la vie ça peut arriver à n'importe qui évidemment. Et forcément,
Ça va être pas très grave, ça arrive, on va rien à personne, évidemment, vous le savez. En tout cas, on est 8 pour le moment. J'ai quand même confirmé après des 8 participants s'ils sont toujours OK pour l'instant pour le 27 mars. Et comme ça, s'il y en a qui veulent laisser leur place, je remettrai soit un ticket en vente, soit j'irai voir des gens directement s'il reste plus beaucoup de jours. Par exemple, si c'est à partir de jeudi, j'irai voir des gens de secours pour leur demander. Évidemment, des points de vengeur, voilà. Il faut que je débloque des points de vengeur. Donc on va aller débloquer des points de vengeur, les amis. Alors il y a 7 manches à faire ici. Et voici un défi pour sauf que je sais ce que je vais prendre. Malin. Vous mettez 7 manches là avec cette arme là. Mais vous êtes fous. Vous m'avez voulu mettre avec cette arme, les amis. Elle est cheatée. Hein. C'est mon arme de prédilection celle-là. Hein. Vraiment dans le jeu. Hop, si vous voulez vraiment que je survive, mettez-moi pas des armes comme ça quoi. Que je meurs, pardon. Si vous voulez que je survive pas, vous mettez cette arme là. Non. Si vous voulez que je survive pas, vous mettez pas cette arme. Si vous voulez que je meure, vous mettez cette arme. Vous mettez pas cette arme. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais dire au début. Mais j'ai pas fouillé. Ah, il y a des tourelles qui sont apparues et tout. Normal. Bah alors, déjà level 4. Putain, déjà level 4, hein, les amis, le feu du scorpion. Et ça, c'est pas une amélioration des pubs. Quoi? Pourquoi? Mais quoi? Et c'est du défi pour quoi? Mais pourquoi je me suis du défi, c'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok, c'est... Ah, ok. C'est ne pas faire toucher une seule fois, ok. Ok, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah ouais, d'accord, on va prendre cette arme du coup, je vais mourir sinon. Allez, dur, hein. c'est un défi dur du coup. Ok, il va pas prendre des dégâts en vrai, les amis. J'ai pas fait gaffe à ça au début, moi. Cette créature est bien trop dangereuse pour être en liberté. Ok, alors attendez. Du coup, là, c'est chaud. Je vais prendre des dégâts. Bien, mais simple, les amis. Hop. Vous ne vous êtes jamais demandé ce mon schiste. Allez. Aïe, le chien. C'est vraiment le chien, on peut le dire. Quel enfoiré. Faut prendre des dégâts, en vrai, c'est pas si facile que ça, au final. Et voici un défi pour le moins difficile. On va y arriver. Bon, il est pas si difficile, c'est juste qu'il faut faire attention aux créatures qui me spawnent dessus. Les deux premières manches sont forcément derrière moi. Voilà, donc forcément, je peux les gérer. Bah, ils sont tous là. Par contre, ici... À partir d'ici, c'est vraiment le canon moyen, voilà. À partir d'ici, c'est le canon moyen. Ok, il y a une tourelle qui apparaît forcément, je me suis douté. Une anecdote intéressante. Tout a commencé le jour où deux hommes se sont battus pour un burrito. Oui. Red Zone est née. Ok. Quelle création incroyable, hein, vraiment. On est tous surpris, hein. Ça se voit dans nos yeux, hein. Vous nous amenez de la pub, Juanita. J'espère juste que la prochaine fois, il n'y aura pas d'erreur de costume. Ok. On va éviter les chiens, maintenant. Bah, les chiens, là, on va éviter qu'ils me mettent, qu'ils la mettent à l'envers, là. C'est bon, il y a encore, là, des créatures à battre ou pas? Il y a encore lui et Elisa, de toute façon. C'est bon, on a réussi. On a réussi. Défi achevé. Incroyable. Évidemment. Mais c'est pas suffisant, je crois. Ah, quoique. Non, c'est pas suffisant. Ok. Un héros très spécial. On y va. Prochain défi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le boucher de boulon. Que les... Ah sur la planche, que le boulon. Ok, que le boulon. Que le... Les clés. Voilà, que les clés, pardon. Magnifique. Ça va être bien, ça. Ça, j'aime bien le genre de défi qu'ils nous mettent dans les combats d'arène, dans les Rafting Clank. C'est une clé ou rien. Hop, comme on dit, tu as que ton couteau pour survivre. Tu n'as rien d'autre. Par contre, des créateurs comme ça avec les clés, c'est abusé. Hein, parce qu'ils sont chiants à battre en plus. Hop. Y'a pas une technique pour jeter la clé déjà? Non. Quoi? Ah oui, mais des tourelles et tout avec des clés. Bah bien sûr, bientôt, mettez aussi le scorpion géant, quoi. Ils sont fous. Est un enfer, Juanita. Ils sont fous. Ils sont méga fous.
Il met des ennemis trop chauds à battre avec une clé. Voilà. Pas grave, prends des dégâts, j'ai le droit. Ok, pour l'instant, il n'y a que des petites créatures, ça va. En vrai. C'est un peu pire que ça, en vrai. Hop, voilà, pour l'instant, on gère un peu notre manche. On va pas tarder à arriver en manche 7, là, les amis. Voilà. Forcément, je vous l'avais dit. Hop. Allez, on gère. Tu vas gérer. Mais oui, mon cher Venom. On va gérer. On va essayer. Regarde, on est en manche 8, on n'a pas perdu beaucoup de vie, ça va. On a perdu, mais on l'a récupéré aussi sec, donc c'est pas très dur en vrai. Ça, c'est pas du tout très dur. Mais je t'ai vu, toi, derrière. On va reculer jusqu'à ce que le vide arrive. Ok, lui, il est mort. Hein. Regardez, lui, hein. C'est lui le plus chiant, c'est une créature avec des armes à feu. Hein. Forcément, ils peuvent tirer à distance s'ils veulent. Et ben voilà. Manche terminée, on a réussi. On a fini tous les défis d'arène, donc on doit retourner sur les planètes faire des défis du coup. Ça va être comme ça que ça signe, voilà. Ah, quoique. Qu'est-ce qui se passe? Il nous quitte directement. Cinématique? What? Attends une seconde. Ouais. S'embrûler. S'embrûler, je sais rien savoir si les mousses brûlées. Il y a une heure de brûler, mais je sais pas d'où ça vient. Attendez deux secondes, les amis. Hein. Je pense que je vais faire une pause de seconde de voir si c'est une fausse alerte ou pas. Hop, attendez. Petite pause de deux secondes. N'hésitez pas à faire les commandes. Ok. Bon, nickel. Et j'étais directement sortir les consoles et les prises le plus proche, on sait jamais, hein, vous savez. Quoique. Bien, je suis sûr. C'est bon, ça t'a l'air. J'ai quand même été vérifié, on sait jamais, vous savez, les copains de nos jours. Non, c'est bon, ça va être une fois ça. Ok, du coup, reprenons l'aventure. Ratchet & Clank. Alors, on a commencé. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Le classomètre. Bienvenue au bureau de classement Kazar 015. Bon, on est bien là, non? On est bien, on est bien. Réacteur, viscérateur, S-Hardlight. Ok, on est encore loin, en vrai, je crois plutôt l'objectif. Alors, on va continuer les défis secondaires, évidemment, comme vous expliquez. Le but va être déjà d'acheter un peu les matériaux, voilà, tout ça. On va essayer de... tiens, le fléau, on va lui mettre de la glace. Le fléau glacé, on va l'appeler maintenant. Enfin, le fléau glacé. Ça, c'est pas mal. Alors, sur quelle planète on a déjà fait le 100%? On a fait le 100% de cette planète-là. Ok, cette planète-là, elle est finie. On est bon. Saratos, c'est bon, tout a été fait. Nickel. Chronos, arène de cité noire, on va la faire. On y va. On est parti sur Chronos, les amis, pour faire ce défi des plus improbables qui soient, mais qui pourrait nous faire gagner beaucoup de points pour, évidemment, débloquer le défi secondaire actuel qui est bloqué pour le moment. C'est vrai que je vous rappelle. Alors, je vais arrêter le live à 13h30, je pense, peut-être un peu avant, je sais pas encore. Je vous dirai ça, évidemment, à quelle heure j'arrête le live, évidemment. Hop. Ce défi me rappelle l'époque des combats d'arène. Hop. Un bon vieux match à mort, okay. Aussi bon que ceux de maman. Ok, c'est un match d'arène, mon frère. C'est pas si compliqué, du coup. Hop. Allez, mange deux. Allez-moi tous les ennemis que vous avez. Faites-en. D'humeur combatif. Hop, donc ça c'est la planète qu'on avait fait lors du dernier live. La toute dernière planète qu'on avait fait en live la dernière fois, c'était celle-là. Donc, du coup, vraiment on s'est bien rattrapé. Hein, de mon côté, je trouve qu'on s'est très bien rattrapé. On a même pris beaucoup trop d'avance sur les déblocages de planètes. Donc, du coup, on a un peu de défis à faire pour débloquer tout ça. Pour débloquer les planètes suivantes. On a des petits défis à faire, des points de vengeur à gagner. Mais on va y arriver. Que serait-il? Moi je dirais un camembert. Hop. Pour l'odeur. Un camembert. Eh ben vous avez une drôle d'idée, monsieur le commentateur.
Je pense que vous êtes bizarre. Alors, le fléau. Maintenant, on va essayer le fléau. Ça va 5 minutes hein, sans le fléau là. Ok. Hop. Allez, le fléau. Hop, il mange 4 déjà. Le fléau, il a pas duré longtemps pourtant. Hop. Bah alors, ça va pas mettre des dégâts de Alex. Hop, ça les glace. Genre, tu les touches, ça les glace. Même s'ils meurent pas, ça les glace. T'as vu? Ça, c'est bien ça, le fléau. Hop. Oula. Manche 5. On va retirer le fléau pour la manche 6 quand même, on sait jamais. Qu'on mourrait bêtement quand même. Voilà. Manche 6. Moi, on va le garder le fléau. Pour l'instant, on est bien. On garde le fléau. Hop. Évidemment. Enfin, la manche ou pas? Non. La croix des ennemis. Sauf qu'on va les avoir dès leur arrivée, voilà. Et j'ai plus de balles de fléau. Par contre, il y a encore des ennemis. Donc, l'arbitre, c'est le moment de mettre un petit carton rouge à tous ces ennemis. Ben voilà! Ça, c'est beau tout seul. Ok. Défi achevé. Nickel. Et ben, on a fini la planète Chronos, évidemment. Le tournoi du Vengeur. Revenir à la suite de confinement. Non, je crois que c'était juste un seul tournoi. Ouais, deux défis de terreur sur deux. Ok. Char. Alors là, on a plusieurs défis à faire. On va aller du coup à l'assaut sur la toundra gelée. Ok. On est parti pour l'assaut sur la toundra gelée, les amis. Hop. Prochaine mission qu'on va se faire. Là, pour l'instant, on essaie de débloquer les planètes, évidemment, pour avancer l'aventure. Hop. Nickel. Sachant qu'il nous reste encore 7 planètes à débloquer et puis ben on a fini le jeu, on arrive à la fin du jeu. Non, mais c'est pas facile en vrai parce que du coup il y a des défis qui vont être très durs à faire. Je pense à ici. Peut-être qu'on a des robots géants. Et quand on est pète avec des robots géants, on sait que c'est dur des fois. Alors quel défi là? Cette fois-ci, Ratchet va relever le défi. Ok. Ah, on doit les récupérer, d'accord. Ah, ça c'est beau ça. On va devoir récupérer les armes surprises. C'est une sorte de jeu Kinder, mais version jeu vidéo. On joue à l'arme à cette surprise. Et oui, évidemment, les amis. Le but va être de s'en sortir avec les armes surprises qu'on va nous offrir au cours de ces défis. Allez, protégez-moi, les amis. On va chercher une autre arme juste après, si on peut. Oh! Ah oui, gère les ennemis. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Ah oui, c'est le vaisseau, je pense. Ah ouais, le vaisseau, il rigolait pas, les copains, le vaisseau. Sauve-moi. What. Allez, les amis, bouclier. Mais protégez-moi. Vous foutez quoi de vos vies, à part rien foutre. Bande de robots de merde, là. Et je prends cher, en plus, c'est incroyable. Il y a un vaisseau, ils savent même pas s'en occuper, ils ont peur. C'est un vaisseau tout bidon. Une bombe, il est mort. Hop, regardez, deux bombes, il est mort. Trois bombes, il est mort, allez. Quatre bombes, il est mort. Voilà. Les amis, j'ai perdu toute ma vie pour vos conneries là, vos méchants là. Punis. Hop. Je vais chercher de la vie là-bas après. Et puis on va aller, je pense, directement en face, voilà. Alors je vais voir s'il n'y a pas d'autres armes à débloquer, ça serait cool. Ouais, 23 de vie. Hein. Pas ouf hein. Alors lui, il fait du patinage artistique. Je voulais pas trop le déranger au début, pas mentir. Ok, les amis, gérez-les. Mais moi, je peux pas faire grand-chose, j'ai pas d'armes. Prendre la première arme que je vois, le sniper. Bam. Hop. Et ben voilà. Hop. Tu veux quoi toi là-haut? Petite balle de snipe. Hop. Voilà, on l'a viré lui. Hop. On va prendre la vie. Non, c'est pas de la violence gratuite. On gère là. Wow. Commentateur là. Oh, c'est une connerie là. Bien joué les gars, bien joué. Le but c'est vraiment de gérer nos armes. Hop. Ok. Croque-boulon, je vous couvre. Allez les gars. Je gère. Hop. Ah, il est mal dur ce défi. Il y a encore beaucoup d'ennemis qui arrivent là. Allez. C'est bon, fais-le. Fais le croque-boulon là, on a couvert la zone. On a couvert la zone, c'est bon. Et ben voilà. Bah c'est géré tout ça. C'est ça qui est beau. C'est moi. C'est moi qui ai engagé le nouveau.
Enfin, le nouveau, je sais pas quoi, mais le nouveau. Il parle de moi, mais semblant qu'on a pas compris. Pour la petite blague, voilà, comme ça, on va dire. On va dire ce qu'on veut après. Ah, ça change d'arme automatiquement. Ah bah attendez. Voilà, du coup, dans ce cas-là. Et bah voilà. Prends ça. Les mines. Allez, gérez les copains. Gérez si vous voulez. C'est quoi, je mets des mines. Et couvrez-moi s'il vous plaît. Non, vas-y, vas-y, prends. Vas-y, déroule-le. Hop, voilà. Avec un minima de protection envers les robots. Aïe, 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 je vais mourir. Aïe, s'il vous plaît, les copains, mourrez pas. C'est dur, mais c'est dur. Quand les armes qu'on a, c'est dur. Hein. Ok, le sniper level 4. Ça, c'est beau. Et sûrement, j'ai envie de pas qu'on peut me donner les boucliers quand même, donc ce serait abusé. J'ai pas eu le flou du scorpion encore. Trop cheaté. Trop cheaté pour le jeu. Y aller comme l'arme la plus puissante du jeu, elle est interdite. Ok. Allez, dis-moi qu'il y a de la vie pas loin. Coupé, qu'il y a de la vie pas loin. Donc gérez-les, les copains. Les robots. Voilà. J'espère qu'il y aura de la vie parce que là, par contre, je panique avec ma vie en. Le peu de vie que j'ai encore. C'est quoi comme arme? Ok, l'arbitre. Moi, j'ai plus beaucoup de vie, les amis, moi. Ok. On va faire créature par créature. Je suis désolé, mais j'ai pas le choix, sinon je suis mort. J'ai besoin d'un médecin. Ok. Très bien. Pour l'instant, on a géré les deux créatures qui viennent spawn. Il y a encore pas mal de créatures qui sont présentes ici. Ok. 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 Ça, c'est bien. Hop. Allez. Oh purée, l'arme, elle est là-bas. Elle est à côté d'eux. Oh, ça va être compliqué. L'arme, elle est à côté d'eux, en vrai, les amis. Et en vrai, si j'y vais, je vais me faire forcément attaquer. Allez. C'est bon. Ils nous ont pas vu. Oh non. Non. Dur monde cruel. Oui. Défaite de ma mine quand même. Oh, j'ai flippé. Ah, le tournée de croisette est bloqué. On va pouvoir aller le faire, les amis. C'est nickel. On va se le faire dans un instant. Tu t'es okay. Qualifié pour le tournoi de croisée. On fera le tournoi de croisée, on fera peut-être quelques petits défis juste après et puis on arrêtera, je pense, le live là. Ok. Quoique. Est-ce qu'on ferait pas un ou deux petits défis avant le tournoi de croisée? On finit par le tournoi de croisée. Allez, on va se faire le permis de tuer, le défi d'en dessous et on fait le tournoi de croisée et puis on arrêtera là. Juste après le tournoi de croisée, les amis. Ok. Et maintenant, place au chaos total. Accrochez-vous au volant et détruisez tout sur votre passage. Alors c'est quoi le but? Alors des points? Ok. Pas tout compris encore la question. Faire quoi? Ok. Bonjour. J'essaie de comprendre la mission. Hein. Je vais pas vous mentir, je comprends rien encore. Ok, on gagne des points, c'est beau. C'est très beau. Wow. Wow. Ouais, ok, d'accord. Ça va trop vite, on sait pas ce qu'il faut faire. Faire des points. Ok, maximum de points, je pense. Un peu comme dans les bords d'arcade, on doit faire des points. Ah, on est en grande forme, il y a quoi? Regardez, ça bouge beaucoup, ça. 13 000 points. 14 000. Voilà, on fait des points. C'est fini ou pas après? Non, c'est bon, on a encore des points, on peut encore faire des points. On va faire 22 000, ok. Et à mon avis, il faut faire le plus de dégâts possible, ok, j'ai compris. J'ai compris! I understand! Magnifique. Allez, les amis. Voilà, 17 000 points, ça c'est beau. Allez, voilà, 18 000 points, est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Mais encore après? Oui! Là, il y a encore pas mal. Allez! 19 000 sur 22 000, ah, dommage. Bon. J'ai pas compris au début. Là, on va gérer. Tac. Tac. Voilà, évidemment. Faut qu'on prenne de l'avance, en vrai. Si on est tranquille, on va pouvoir plus gérer après. Bon, on va les gérer un peu, puis... Voilà. Ça direct. Voilà. Les trucs à double point, ou je sais pas quoi, là, on les fait, on sait jamais ce que c'est. Tout ce qui semble suspect, on les fait, les copains.
Mais c'est Gecko. Ouais, c'est Giga Chmo. Du coup, on sait pas trop comment ça se passe. Allez, hop. Ah oui, il y a un combo de score là-haut à faire. Ah oui, pas forcément, fallait se le faire celui-là. Ok. Allez, touche-moi le rouge là. Oui. Maximum de points, les amis. On a 10 000 déjà. On est mieux que la première game. On va gérer les points. Allez, le combo. Oui, beau. Pas trop spammer le carré, je pense. Ok, ici. On se disparaître. Maximum de points possible. Allez. On s'en fout de la dégâts, de la vie. La vie, on s'en fout, c'est secondaire, la vie. Hop, la vie, c'est secondaire, c'est pour nous faire flipper. Voilà. Et crevez-vous là-bas. Allez. Quoi? On est même pas à 20 000. On n'est pas à 22 000. On est même pas à 22 000 alors qu'on a géré. Vous avez senti ça? Mais c'est le défi le plus dur de l'histoire. C'est quoi il faut faire? On a tout fait. Il y a quoi? Il faut trouver le mec caché dans la zone 51. C'est quoi le but? J'ai géré en plus là. Je comprends pas la mission. Je l'ai géré de malade. Je l'ai fait perfecto même. Elle est dure leur mission là. Mais j'ai un souvenir de cette mission maintenant, à l'époque elle était dure celle-là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est les souvenirs qui me reviennent là et ça me fait peur. Moi quand un souvenir me revient c'est jamais bon, je vous le dis. Vraiment qu'on a des canons à l'infini en vrai parce que sinon on serait mal hein. Ah ouais, faut pas en louper en vrai, là j'ai en loupé, c'est terminé quoi la mission. Bah ouais, c'est trop dur la mission les gars. Une mission elle est encore plus dure que faire une guerre, une seconde guerre mondiale quoi, attendez. Ce type devrait lancer sa propre ligne de vêtements de sport. Bah, attendez, c'est trop chaud les amis, là je suis concentré mais c'est méga dur. Je vous le dis, hein, cette mission est méga dure, ça va trop vite en vrai. On n'a pas le temps de faire toutes les bouboules, ça va trop vite. Allez s'il vous plaît, les combos. Moi qui ai des combos quand même à faire là. Regardez, j'ai loupé une bouboule là, mais c'est impossible, il y a un trou. Ok, on a géré. Allez, le combo des 4 bouboules là. Ok, on va faire toutes les bouboules là maintenant. Regardez, j'ai 20 000. Mais c'est quoi ce défi? Il est trop dur. Il est trop dur. Et du niveau 20 000, le défi il est trop dur, les amis. Ah ça c'est le défi qui va me bloquer dans le jeu ça. Oh non. En plus je vais finir les défis pour le 100%, pour finir l'histoire quoi. Pour finir tous les défis en obligé. Voilà. Arrête de louper! C'est incroyable, on n'aura pas le temps d'avoir que là-haut, bah ouais. Ouais, pile défi. Ouais, c'est très dur, non, là c'est le niveau 20 000, là le difficulté est légendaire. Là c'est le défi le plus dur du jeu, je crois. Ah, il est méga dur le défi, je suis en train de transpirer une goutte là. On recommence. Voir quand t'as pas mis de fois, on le fera un peu plus tard, on le fera lors du prochain live aussi. Ah bah c'est trop de temps sur ce défi, il est méga dur. Moi c'est parti des défis les plus durs que j'ai fait pour l'instant sur la Rapid Think Tank. Ah il est méga dur le défi. En vrai il met trop de trucs qui ont aucun sens, il faut pas tuer les ennemis. Ok maintenant, les combos. Faire des combos les amis, faire des combos. Donc, il met des dégâts lui. On gagne des points de bonus avec le combo, voilà, je viens de comprendre. Bah oui, ce qui me semblait. Ok, on a de l'avance. Quand on a de l'avance, c'est bon signe. Là, on peut faire l'endroit. Pourquoi il ne veut pas toucher ce là-bas? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais robot! Je vais t'éclater le robot. La vie de ma... Et je vais m'énerver. Hein. Là, il faut vraiment commencer à vraiment m'énerver par contre. Light. Oh.
Mais c'est méga dur. Mais c'est méga dur. Mais c'est encore plus dur qu'un jeu d'arcade. À l'époque, le jeu d'arcade, c'était du baby fou, baby boom. Ça, c'est du... C'est du défi légendaire, ça, les amis. J'ai jamais fait un défi aussi dur sur un training camp de toute ma vie. Il est méga dur, le défi. Clairement, il est méga dur et il est même infaisable. Il est infaisable, je pense qu'on va y voir jamais, ça. Enfin... On n'aura jamais, c'est trop dur, c'est méga dur. Regardez, je peux rien faire. Je suis bloqué ici, dans ce défi. Voilà, avec 21 000 points, on est de 22 000. Wow, non, j'aime pas les défis durs comme ça, ça va me juste prendre le fou. Oh non, s'il vous plaît, bordel. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît. Que mon Dieu m'entende, s'il te plaît. Aide-moi là, c'est bon, je vais passer ma journée ici, je vous dis les copains. Putain, non, franchement, à chaque fois que vous prenez un Ratchet & Clank, il y a des défis méga durs. Putain, c'est un plan de tien pour un Ratchet & Clank, c'est un pour s'amuser, c'est pas un jeu pour péter les plombs. Je sais, bah là, les amis, là, franchement, je sais pas quoi faire. Je suis perdu. Regardez, j'ai pas beaucoup de points, j'ai rien comme points. J'ai tous mes trucs, mais j'ai tout. En plus, c'est les robots, ils me font des dégâts, pourquoi? Ça sert à rien. Ratchet semble avoir trouvé sa vocation, la boucherie. Ah mais c'est trop chaud les amis là, vraiment c'est une difficulté mais incroyable. Waouh. J'ai jamais vu un défi aussi dur de ma vie. Donc, franchement là... Là on est passé au niveau légendaire. Hein. Moi quand je vais y arriver ce défi, je vais être content. Hein, je là je crois que c'est pas aujourd'hui. Hein. Non ça va pas être aujourd'hui, c'est impossible. À moins que si je fais ça... Non, non ça fait pas de combo de points. Je suis même pas à 20 000. Je suis à 20 000. J'ai fait un truc pervers, je suis à 20 000. Bah c'est ça en vrai. Ça franchement, c'est honteux pour le jeu, je trouve. Putain, là, je suis pas bien. Je suis pas là. En plus, j'ai envie de... Je suis pas bien à cause de ce défi, là. C'est genre défi qui me rend pas bien en vrai, en live. J'aime pas les défis durs, en vrai. J'ai horreur de ça dans les jeux vidéo. C'est une sorte de semi-phobie dans les jeux, les défis. Aussi dur que ça. Surtout qu'en plus j'avais fait un joystick de l'époque, donc forcément c'est pas simple de jeu de base. Et là ils mettent des défis, mais laisse tomber les défis quoi. Le but c'est quoi? C'est de détruire le monde ou quoi? Le but du défi c'est de détruire la tronche des gens. C'est terminé hein, pour moi là. Là on fait une dernière fois, là. Franchement on tentera la prochaine fois. Début de live, typo, j'en sais rien. Même pas, j'ai même pas envie de retenter ce défi, il me dégoûte. Ah mais gars, attends, j'espère que c'est le seul hein, comme ça dans le jeu, il n'y en a pas d'autres. Hein. Attendez, hein, parce que là... En plus, c'est ça qui est chiant, que t'as oublié de finir tous les défis pour finir le jeu, en vrai, je crois, il me semble. C'est pour ça que je voulais pas faire ça tous les coups non plus. Je sais qu'on va devoir y retourner à un moment donné sur les défis. On aura pas le choix à un moment donné. Là, j'ai loupé la boule qui est là-bas. Et en plus, le carré, il bug dans ce panel de merde, là. Oh, et puis j'ai 18 000, bah ouais, bah c'est terminé, j'ai 18 000. J'aurais 21 000, j'aurais gagné. Non, j'ai 18 000. 21 000, et même pas. Même pas 21 000. Bon allez, on refera la prochaine fois, parce que ça va juste me faire péter les plombs, et ça me saoule. Là, je commence à... Allez, on recommence une dernière fois, allez. Si quelqu'un a une solution dans les... D'ailleurs, sur YouTube, ou même sur Twitch, quelqu'un qui connaisserait une solution pour battre... Le bat, il faut creuser à 20 000 %. Là, sur ce film, je vous donne des jeux qu'on soumet des. Je vous le dis, non. Non, sur défi, non, je peux pas. Je ne peux pas d'avoir des défis aussi durs dans les jeux vidéo à l'heure actuelle. Non, c'est pas possible d'avoir un défi aussi dur. Regardez, j'ai que 3 000. J'ai que 3 000. Mais c'est quoi de ce défi? J'ai que 3 000. Mais non. Oh là 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 là. S'il vous plaît, mais non, mais j'ai pas le temps de toucher là-haut, ça sert à rien, faut mieux recommencer. Allez, mais non, non, lance-moi le défi parce que je vais commencer à m'énerver là. Allez. Putain, jusqu'à présent, on n'a eu aucun souci sur aucun moment du jeu. C'est la première fois qu'on rage sur le jeu.
voilà, ils mettent un truc de niveau 20 millions difficulté, leur légendaire, épique légendaire. Tout en normal, quoi. Si je veux pas en normal, je comprendrais que ce soit dur. En normal, c'est normal. C'est pas normal que ce soit dur à ce point-là. La vérité. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà ce qu'il va faire. J'ai une idée de ce qu'il va faire. Vas-y, tout le monde. Arrête de me bloquer le robot, s'il te plaît, ça m'énerve. Dégage, dégage! Allez. C'est perdu, j'ai que 6000. Regarde où j'en suis, j'ai que 6000. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais juste valider le défi. S'il vous plaît. Wow, le présentateur est impressionné. Oh, c'est trop dur. Mais regardez, j'ai même pas le temps de... La caméra, en plus, ça met 3 plombes. On n'a pas le temps, en vrai, de gérer les caméras. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est compliqué. En fait, on peut encore plus de points si on les tue normalement. Ouais. Et en plus, du coup, la boule là, la boule cachée, là. Désolé, la boule cachée, j'étais oublié. Regardez, j'ai 17 000. Allez sur ça la main, pleine, hop, hop, mais j'ai même pas le temps de faire des points. On est tombé les défis, les amis, pour ceux qui arrivent sur le live, on est tombé sur le défi le plus dur de l'histoire des Ratchet & Clank. Vraiment le plus dur de l'histoire des Ratchet & Clank. Je pèse mes mots. À moins, il faut utiliser la mitrailleuse. Ah bah voilà, il faut utiliser la mitrailleuse, on a trouvé la réponse à l'énigme. Fallait utiliser la mitrailleuse pour avoir des points bonus, voilà. Et ben voilà! Expliquez-le dès le début! Voilà, on va faire des points maintenant! Bah ben voilà, fallait me l'expliquer aussi, les amis! Forcément! Il y a un robot qui me gêne, là. Quoi? Ah oui, il faut utiliser la mitrailleuse! Non, bah ben, je repèse mes mots, du coup, c'est plus le défi plus dur des jeux vidéo, du coup, maintenant. Ah bah ben voilà! Mais il y a un robot qui me bloque, mais... Pousse-toi! Arrête! M'emmerder. Voilà. En vrai, pour réussir ce défi, il faut la petite mitraillette pendant toute la session. Là, c'était ça, hein. C'était ça, c'était vraiment ça. Oui, c'était vraiment ça. Faut utiliser la mitraillette. Voilà, maintenant on va gérer. Ça, par contre, aussi. Hop, et si t'as pas le plan, en vrai, tu dis que la bombe, c'est le dernier recours, voilà. Bah voilà, on va sortir de points maintenant, non? C'est bon, c'est validé, là, on est d'accord. Hein. Ah non, même pas. J'ai même plus de points. Je sais pas pourquoi j'ai plus de points, les amis. Attention. 18 000, ah bah, alors là. Même avec ça, ça ne suffit pas pour gagner le défi, hein. Il y a encore autre chose que j'ai pas compris dans la game. Waouh, j'ai mal à la tête les amis, j'ai envie d'arrêter le live, mais je peux pas. Pas pour un défi dans un jeu. Puisqu'après moi je passais un très bon moment, c'est pas parce qu'il y a un défi qui me fait chier, je vais arrêter le live. Ah non mais j'aime pas ça les amis, vous savez, j'ai une horreur des défis. Aussi dur. Attention, on valide le défi, c'est parti, allez. Et je dois me dépêcher, évidemment. Dépêchons-nous, sinon on a tout détruit, c'est terminé, on peut pas détruire les trucs là-haut. Ah si, je crois que c'est bon, on a quand même le temps. Allez, allez, les points pour l'annexe, mais oui, le combo est déchaîné, ce poilu est déchaîné. Là, on est bien. Là, par contre, on peut le dire, on est bien. On peut dire qu'on est bien. De ce côté-là, on a géré la fois. On a bien géré la mission. Alors, je vais faire cette bouboule-là. Allez, carré, quoi.
Voilà, 18 000 ici. Et ben voilà, allez, allez les amis, on est bon là. Allez. Allez les amis, on peut le faire. Non, j'ai que 21 000. J'ai que 21 300. Même en jouant la mission, j'ai que 21 000. Oh non. Non, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Oh là là. Ah, même en jouant la mission, j'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait. Ah, dégoûté. J'ai très bien géré la mission en plus. Hein. Vous imaginez? J'ai géré la mission de fou, là, comme un roi. Et pourtant, ça n'a pas suffi pour la gagner. Vous imaginez la difficulté du truc. À quel niveau elle est? En plus, le joystick, mais il est abusé dans ce truc. 8, 7, 6, 5, 4, 12, 11, 10, 9, avec plein de carrés possibles. Là, j'en vois tous les possibles carrés. 4, 3, 2, 1, bonne année, bonne santé à vous tous, là. Allez, validez-moi ce défi, bordel, tuez-moi les ennemis, faites ce que vous voulez. Mais validez-moi ce défi, s'il vous plaît. Oui, bien. Bien, Don Alex, on a encore pas mal de combos qu'on peut se faire, là, c'est bien. Allez, Don Alex, c'est bon. On fait carré, carré tout doucement, voilà. On fait du rond, du carré, toute possibilité. On va y arriver, les amis, on y croit. Le carré ici. Voilà, tout doucement. Voilà, le temps qu'on puisse détruire la boboule. Bien. Bien, Don Alex. Allez, on est bien là. Allez, donc, carré, 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 carré pour avoir des points. Ok, on peut encore gagner. Allez, on peut encore gagner. Ah non, je peux pas avoir 300 points. Je m'améliore en score, ouais, donc ça me donne envie là, de réussir. J'améliore un score, on est vraiment pas loin. En vrai, c'est fier, en vrai, je vais faire par cœur. Je vais connaître par cœur les boboules, l'emplacement, les ennemis. Tout va être possible après. Allez, on va y arriver. On y croit. Ok, les ennemis tiennent spawn. Ils s'en débarrassent. Évidemment, c'est parti pour valider le défi. Alors, bouboule là. Hop, ici, voilà, on a besoin de 13 secondes pour faire ça, on est bien. Allez, on est parti, là-bas, maximum, carré, même s'il faut, allez, on gère là-bas. Hop, allez, 4, 3, 2, 1, allez, stoppé, Don Alex, tu peux le faire. On peut croire en toi. Allez, 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 bouboule, 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 on y va, on jette les bouboules, on fait tout ce qu'il faut. Il nous faut 15 000 points, là. Oh, ça marchera pas, moi je crois que c'est foutu, le défi. Non, perdu. J'ai vu peur de ce qu'on a fait là. On y est loin. Non, on y est loin. On est qu'à 13 000. On était à 15 000 tout à l'heure ici. C'est foutu. Ah, je suis dégoûté. On a bien géré tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Non. Allez. Hop. Évidemment. Voilà. 16 000 ici. C'est terminé. On a plus de 17 000. C'est méga dur. C'est archi, archi méga dur. C'est même le niveau le plus épique de l'histoire des jeux vidéo pour moi, que j'ai fait. Regardez, hein, 20 000. On n'arrive pas à atteindre les 22 000, hein, c'est dur. S'il vous plaît, je veux prier tous les dieux qui me soutiennent. S'il vous plaît, pour ce défi légendaire. Qui est de niveau rang légendaire. Pour moi, c'est un rang légendaire. C'est rang S dans les jeux vidéo, ce défi. Il est vraiment rang S. Pour moi, c'est vraiment, il faut avoir du skill un maximum pour finir ce défi. Sinon, tu ne finis pas. Regardez, c'est trop dur, mais les ennemis, ils sont durs à tuer, mais what the fuck? On est en quelle année? Faut que vous me dites, les amis, en quelle année. Alors non, il faut que j'ai... Ah, faut me dépêcher de faire ça. Ça va disparaître, pour tout le monde. Hop, on va s'appuyer sur son radar. Bah ouais, il n'y aura pas le temps. Bah oui, mais non, mais non. On est bien. Allez, on est bien. On peut le faire. On peut faire les 12 000 points ici. On peut y arriver. On est bien là. Allez, Don Alex, c'est plus 3 jours à tirer que ta bouboule. Ça saoule. Ça pense à saouler toute la France là. Mais oui, mais c'est impossible. Et à chaque fois, il fait nappe. En vrai, je peux faire carré carré, mais ça perd trop de temps. Trop chaud.
Ce combo de faire carré, carré, carré. Personne fait ça en 2021 sur les jeux vidéo. Personne fait ça. Aucun sens de faire carré, carré. 19 000 et ça suffira pas. Ça suffira pas. On a que 21 000. On a 21 000. Et encore, même pas 21 000. C'est plus dur qu'un jeu d'arcade, hein. J'en souffre, hein. Là, je me dis, je suis en train de souffrir, les amis. Totalement, je suis pas bien. Pour ça, je pense que faire une pause. Si je fais une pause, si je continue live après ça, il va falloir que je fasse une pause après. Parce que là, c'est pas possible, c'est trop dur. Là, je suis en train de manger toutes les tripes du monde. Là. Ce défi-là, il est légendaire. Là, c'est perdu. J'ai perdu là, j'ai perdu le rythme. J'ai perdu le rythme, j'y arrive pas. Ça me met les nerfs. Je suis énervé là. Là, je suis énervé au fond de moi. Pour ce jeu, il m'énerve. Allez, on l'a redit, il faut voir à quel point c'est dur. Hein. Je vous le dis, en main, c'est dur. Hein. Vraiment, il faut pas se dire c'est facile, en fait. Hein. C'est méga dur en main. Pourtant, je joue concentré. Hein. Je observe toute la map. Hein. Tout est observé de A à Z, là. Pour vous dire hein, à quel point je suis concentré. Hein. Allez. Il y a un troisième, je sais qu'il y a un troisième. On fait quelques dégâts ici, voilà. Évidemment. Parce qu'après, on va louper le scoreboard avec ça, là. Allez, hop, on va faire ça directement. Voilà, et là, on va faire le score ici. Il faut du score ici. Il faut du score ici, les amis. Forcément, il faut du score ici. C'est là qu'il y a le plus de bouboules. Allez, on peut le faire. Ok, on est bien. Ça va, là, on est bien. Là, on est bien en termes de scoring, on est bien. Regardez, il met du temps à tirer avec le carré. En vrai, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est ça qui est compliqué à gérer. C'est le carré. Ok, je finis pas à 15 000, c'est chaud, je finis pas à 15 000 ici, ça va être trop dur. Ok, on va faire la bouboule qui est là forcément, comme ça j'ai le temps peut-être de détruire l'ennemi, qui va peut-être donner des points en plus, les ennemis. Voilà, c'est bien les ennemis, ils donnent des points. Mais ah, je n'ai pas eu le temps, mais j'ai pas le temps de détruire les bouboules là-bas. Vous devez savoir une chose, roi. C'est trop chaud. Non, même avec ça, je pars ici. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ok. J'en ai marre. Je pense avoir vraiment marre de ce défi. Je commence à être à bout de force. Non, je passe du temps à comprendre comment faut faire ici, j'arrive pas. Et même là, j'en ai des souvenirs de ce défi, hein. Vous savez, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça m'a rappelé maintenant que j'ai mis, je crois, 4 heures ou 5 heures à le finir il y a longtemps, il me semble. Mais ça m'a tellement rappelé des souvenirs, ce défi. En même temps, normal, regardez la difficulté du défi, c'est même des souvenirs. Hein. C'est méga dur. Tellement épique, forcément, ça rappelle à tout le monde. Hein. Les gens qui ont fait ce jeu, ça rappelle de ce défi, forcément. Je sais pas comment faire, je sais plus ce que je fais en vrai, j'ai perdu. J'ai même pas 15 000 de points ici, c'est foutu encore une fois. J'ai pas eu le temps d'être la bouboule là-bas. J'ai même pas eu le temps d'être la bouboule qui est là-bas. J'ai que 19 000 à chaque fois que je suis ici. 21 000. What? Mais ce défi, j'y arriverai jamais. Il est trop dur.
j'ai pas le temps d'avoir l'XP là-bas, bah c'est bon. Allez, c'est bon, j'arrête le défi, j'en peux plus, je suis à bout de force, les amis, moi j'arrête là. Hop, allez! On va faire le tournoi de croisée, les amis, je vais arrêter le live ici parce que là, le tournoi, le défi là, je vais le faire en off, je le ferai même pas en live. Comme ça, ce sera fait, ce sera tranquille. Ah, ça me prend la tête, ce défi. Alors, nous allons changer de planète. Les rêves prennent le pas sur la réalité. Ah, ce défi, waouh! Je suis pas bien, hein. Je suis pas bien. Même bébé, je ne suis pas ton bébé. Une machine à tuer psychotique a osé s'approcher des étoiles. Soyez prêts, car cet été, Pox Divertissement vous raconte l'histoire vraie et merveilleuse de l'ascension vers la gloire d'un exterminateur. De ses débuts comme simple professeur de mathématiques au lycée... Mais bébé, j'offre à ces gamins la connaissance. Tu es vraiment pathétique, hors de ma vue. À son succès incroyable comme superstar de sport ultime. On est riche. Je t'aime, Reactor. J'ai toujours été là pour toi. Partagez ce rêve. Vivez la légende de Reactor. Ok. On retourne sur Dread Zone parce que là, du coup, on va passer à l'arène, les amis. Alors, désolé, le défi que j'ai fait juste avant, c'est pas possible. C'est vraiment un défi méga dur. J'ai jamais vu un défi aussi dur, les amis. Ah, ma clé améliorée. Cachette. Bon, du coup, il nous restera le l'infini tourelle. Alors, je sais pas si on a d'autres armes à acheter après celle-ci. Je vais regarder ça de suite. Ah, attendez. Il me reste encore 2 armes à acheter. Ok. Donc, il me reste l'infini tourelle et une autre arme derrière. J'ai une nouvelle amélioration de robot pour toi. Oh, bah on va aller voir. Peut-être qu'on pourra l'acheter. Bah tiens, on va voir qu'on va dépenser tous nos boulons sur les robots et tout. Bon, par contre, pour la tourelle de tout à l'heure, le petit défi, je pense que je le ferai sans off ou... On verra. Oh, nice. Ben voilà, on a amélioré notre robot. Voilà. Enfin, je vais 6, c'est là. Vraiment, le robot, il va être très puissant après. Enfin, les robots. C'était des jumeaux. Allez, on fait ce défi-là, les amis, et puis après, on verra. Est-ce qu'on continue encore un peu? Je vais voir. J'ai 14h26, de toute façon il est tôt. De toute façon, on live à 18h aujourd'hui, les amis. N'oubliez pas qu'on live à 18h sur, évidemment, un jeu que vous connaissez tous, qui est Mario Kart 8. Et j'espère qu'on pourra s'amuser entre nous. Ça me ferait plaisir de vous voir, en tout cas, à cette heure-là, pour jouer à Mario Kart 8. Alors. Oula! Que se passe-t-il lorsque l'on force un psychopathe à élaborer une voilà. Bon, peut-être le défi, je le ferai en off, je verrai. Bon, pas passer trop de temps en live dessus parce que là, du coup, on a perdu un peu de temps de live à cause de ce défi. Donc, je vais continuer un peu plus. Je pense après, on va continuer un peu le jeu. Voilà, pour rattraper un peu ce retard que je vais avoir à cause de ce défi très dur. Lorsqu'il est numéro 4, toutes les armes sont presque améliorées au niveau 4, hein, je crois. Attendez, je vais quand même vérifier. Ah, je peux changer d'arme. Je ne peux pas changer d'arme. Ah, je savais pas du tout ça. En vrai, j'ai que le lance-mine. Ok. Après, le lance-mine il est bien amélioré de base, donc ça va, il fait mal. C'est déjà assez mal en soi. Même les petites créatures, elles grosses, elles prennent cher parce que c'est des mines. Et ça met des tristes au tout le monde. En fait, s'il y a quelqu'un qui se fait toucher et qu'il y a des ennemis aux alentours, il se prend un coup de décharge. Donc c'est bien. Qui tire dessus? Ah, c'est Monsieur Pic. C'est Spike. Spike des X-Men. Hop. Malheur Spike. Aïe. Katikatik. Aïe, aïe, aïe. Hop. Magnifique. Il y a trois tours. Il y a que des tourelles à détruire dans cette planche. Ah ouais, il y a des tourelles. C'est une manche de tourelles. Ah, avec des robots qui viennent d'arriver quand même. Quand même, pas besoin. Voilà, manche 4. Oula, il y a du monde. Bonjour. Bonjour, peuplate. Je viens exterminer les créatures qui sont parmi vous. Vous êtes tous des créatures, bah, forcément. Je parle à vous tous en même temps. Ok. Nickel, on lance mine améliorée. Voilà, on est bien là, les amis. On est bien, on est pas bien. On est forcément bien, mais bien sûr. Attention, on est bien. On est toujours bien ici. À part quand il y a des défis durs et des moments rageants dans les jeux vidéo, bien sûr, là, il y a le moment de rage de Alex. Mais d'habitude, hein, vous connaissez, hein, il ne peut pas rester dans le calme après des défis aussi durs qui mêlent. Qui démangent la main.
Voilà. Ok. Premier défi réussi. Prochain défi. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Waouh. Ok. Bonjour. Est officiellement foutu. Nous avons ah bah il est foutu pour foutu, hein, comme on dit. Oh là, l'arbitre level 2. Ça c'est bien ça. Après les cartons rouges, je pourrais mettre des cartons jaunes pour avertir quand même. Ça, ça va être beau ça. S'il ne parvient pas à arrêter leur compte à rebours, le public va pouvoir goûter au pâté de l'Ombax. Ok, faut se dépêcher de finir le la mission du coup, c'est ça? Ouais, faut se dépêcher. On a compte à rebours. On y va les amis. Quoi? Ah ok, ça active un glisse-rail, j'ai pas vu. Excusez-moi, j'ai pas fait gaffe. Attention, glisse-rail. Hop. Wouhou. Après ça, il ne reste plus que 6 planètes à faire. Ça va tellement vite le jeu. Mais il est bien. Il avance vite, mais il est tellement bien que forcément, c'est pas très grave. On passe un bon moment à chaque moment qu'on passe dans le jeu, est magnifique. Allez, dévoile-moi ça, je te protège. Évidemment. Hop. Alors attendez, on va mettre une petite bombe pour un peu calmer la peuple qui est beaucoup réunie. Aïe. Ma vie. J'ai plus beaucoup de vie. Au secours. Enfin, attention à la vie quand même. Vous avez vu, l'arène, elle est vraiment ressemblante à chaque fois. Hein. C'est vraiment la même arène. Alors, ils n'ont pas voulu chercher à faire plein d'arènes différentes. Ils ont bien raison. Ça montre bien que c'est Dread Zone et pas n'importe quelle. Que la zone, c'est pas non plus une map légendaire qui fait à quoi millions de kilomètres de long. Elle fait vraiment une zone de base bien prédéfinie dans le jeu. C'est ça qui est bien fait. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est bien fait, après, c'est mon avis. Ah, par contre, comme par là, j'ai plus de mission maintenant. Allez, déboulonnez-moi ça. Mais Ace Hardlight aurait été largement meilleur. Arrête, Ace Hardlight, il est démodé, Ace Hardlight. C'est terminé, il est plus là. Personne Light était à l'époque, les amis. Non, c'est Ratchet et Clank, les nouveaux champions de Dread Zone. C'est nous qu'on domine cette map, c'est nous les maîtres. De cette destinée incroyablement belle. Le temps est à moitié écoulé. Il n'est pas très efficace. Voilà, ça c'est fait. Ça est tranquille. Voilà, t'es bon, t'inquiète pas. J'y compte bien. Cette fois-ci, j'ai apporté mon bonnet de douche. Allez, on protège le robot et on a réussi le défi. Vous êtes sûr d'être mouillé. Allez, maintenant, est-ce que c'est le boss? Bonne question. Est-ce qu'on tombe sur le boss? Oui, c'est le boss. Mesdames et messieurs, voici l'incinérateur. Ah oui, réacteur, pardon. Réacteur, le voilà. T'as l'air d'un écureuil dans du papier d'alu. Je vais prendre mon temps, mec, pour te démolir. Il n'y a pas de souci. Prends ton temps. Et essaie de ne pas pleurnicher, s'il te plaît. Pas de souci. Il faut que ça rentre bien à l'écran. Fais péter. Allez, le combat contre un nouveau boss. Hop. Allez, on va lui faire pas mal de dégâts, évidemment. Alors une fois j'ai galéré quand j'étais jeune à le battre. Et pourquoi? Ça va revenir après, hein, pourquoi. Je vais te donner une bonne raison d'avoir l'air stupide. Évidemment, il change de map. Il arrive. Malin. Tu vas connaître. Oh, il fait Kamehameha, monsieur. Ah bah oui, Goku. Hein, Goku. Il t'inspire, Goku, hein, mon pote. Ça se voit. Hein. Bam, 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 bam. Bam! Voilà, il fait mal de dégâts, évidemment. Bam! 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 Et bah voilà! Comment le battre avec l'incinérateur? On l'a battu en 2 secondes. On l'a battu en 2 secondes. C'est tellement magnifique! Ah, l'incinérateur! Eh, le flot du scorpion, c'est l'arme ultime, vous l'avez dit, les amis. Voilà, on a battu le boss. Tchéché. Et bah GG. Et bah voilà, 52 000 boulons. On va pouvoir acheter les améliorations pour le robot en plus. Ça c'est beau. Ah oui, pour l'arme lance-missile, on va regarder un petit peu. On va attendre un petit peu pour l'améliorer le lance-missile. Là on va améliorer le robot. Hop, donc du coup, le robot, bonne nouvelle, tu auras les Gogomet X. Voilà, il te restera plus que j'ai acheté du coup. À 3000 avec Crash V6, voilà. 5000 avec l'hélium, voilà. T'auras tout amélioré. Le robot sera bien. Il sera prêt pour les combats futurs. Et maintenant. On va aller voir la prochaine planète. Et on va... Alors non, on va peut-être faire les défis. Bon, sauf le défi de Char, là, évidemment. On va peut-être aller faire des défis, pourquoi pas.
Alors franchement, on a tout là. C'est obligé aussi, il faut 275 000 boulons pour améliorer la suite. Là, ça va être chaud d'avoir autant. Alors, petit régal, petit lati maintenant. Hop. Donc du coup, il nous reste évidemment à faire la ceinture de Valix, la planète Torval, le tournoi de batailleur, Tigia, Maraxxus et le tournoi des libérateurs. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 planètes à faire. Donc là, 2 planètes combat. Non, 6 planètes. Pourquoi il dit 5 planètes? Donc ouais, il nous faut les 2 planètes avant les tournois à faire. Voilà, et les tournois. Et puis après, on sera à la fin du jeu, je pense. D'ici là, je pense que vous l'avez compris. Ah, il y a des défis secondaires ici. Alors, est-ce que sur Orson, il y a beaucoup de défis secondaires? Il y en a 2. On va se faire du coup fondre sur l'Infernator, ouais. On va se tenter ça. On avance très très bien. Hein. Franchement, là, on a une belle progression de l'aventure. Comme je vous l'ai dit, on fait ça sur 2h30. Bon, là, on va peut-être... Je sais pas si on continue encore ou pas. Bonne question. Est-ce que vous voulez que je continue, les amis? Vous savez quoi? Si je continue encore un peu. Si vous voulez que je continue encore un peu. J'arrêterai vers 14h15, 14h20, on verra. C'est vous qui décidez, les amis. C'est vous qui êtes maître du destin de ce live. Les amis, ah, attendez, nous avons décidé de pimenter un peu le mode d'assaut. Ah, puis je pose 2 secondes, excusez-moi, je regarde si... Oh, c'est bon, j'ai pas reçu de message. Je crois. Hop. Je vérifie tout le temps, hein. Vous connaissez le Don Alex, le vérificateur mondial de messages. Est-ce qu'il y a reçu un message? Est-ce qu'il n'y en a pas reçu? Je crois que c'est bon. Bon, on continue. J'ai pas reçu de message. Alors, on va aller encore un petit 3 quarts d'heure. Allez, un petit demi-heure, 3 quarts d'heure sur Ratchet & Clank. Ça vous irait? Est-ce que ça vous irait, les amis? Et après, on va aller manger, comme ça, je vais me préparer pour ce soir, évidemment, pour jouer à votre magnifique moment. 2019. Magnifique. J'ai que des armes de choix. Ah, ça va être beau, ça. Ça va être magnifique. Que des armes de choix. Ok. Ok, on va utiliser maintenant notre plastomitraille. Alors oui, normalement, dans les Ratchet & Clank, cette arme, les amis, s'appelle le plastomitraille. Alors là, elle s'appelle le Dude Viper. Sachez que la première... Quoi, qui est juste cette arme, c'était évidemment lors du Ratchet & Clank 1. Je sais pas si on peut le voir dans le livret, d'ailleurs, je vais regarder le livret après avec vous, on va aller voir ça. Et je crois que c'était le plastomitraille. Hop. Alors je continue pour une seule raison, c'est pour rattraper le défi de tout à l'heure, évidemment, que je vais en continuer un peu. Pour rattraper un peu le retard, voilà, le petit retard qu'on avait eu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochain déverrouillage à droite. Ah non. Oui, ok, d'accord, il faut juste avancer dans la zone et progresser. Va être une sorte de parcours, voilà. Voilà. Alors sachez que Ratchet & Clank Gladiator est un hors-série de base, hein, pour ceux qui ne savaient pas d'ailleurs. Il n'y a que le 1, 2, 3 qui est dans les séries principales du jeu. Voilà, sachez-le. Petit rappel, évidemment, pour ceux qui ne savent pas. Ah, il faut aller à gauche, hein. Il faut aller à gauche. Ah. Non, l'arbitre c'est meilleur. L'arbitre c'est meilleur, l'arbitre... C'est meilleur, évidemment. Évidemment. On garde l'arbitre. On garde l'arbitre, forcément. Hop. Ok. Bonjour, bonjour. Hop, au revoir. Nettoyage des créatures en 2 secondes. Évidemment. Évidemment. Hop, petit ménage à effectuer. Hop. Avec notre lance-missile, notre lance-patate ultime. Ok, y'a qui là? Y'a pas là-bas. Ok, c'est par là qu'il fallait qu'on aille apparemment. Apparemment. Ok. Y'a quoi? Ok, y'a ça. Le canon évidemment. Le canon incroyable. Alors cette arme là en vrai, elle est très puissante. Hein. Je n'en ai pas parlé. Mais cette arme là, je trouve que c'est une des plus puissantes du jeu également avec le fléau du scorpion. Mais cette arme là en vrai, le problème qu'elle a, je trouve, c'est qu'elle a peu de munitions. Genre ça descend très très vite les munitions. Vous voyez, il n'y en a que 30. Et quand vous tirez, regardez, ça tire à l'infini. Donc les munitions, elles descendent méga vite. Quoi? J'ai du défi? Pourquoi? Ah, il y a un temps! Il y a un temps à partie, j'ai pas vu le temps. Ok, on n'a pas résolu le temps à partie, les amis. Désolé. Désolé. Alors, on va se dépêcher. Excusez-moi, j'ai pas vu le temps à partie, c'est ma faute. My bad. J'ai pas vu le temps à partie. Ok, on y va. Hop. Ok. Ok. Bonjour la zone. On vient de vous faire le petit nettoyage de Dread Zone. Hop. On va essayer de se dépêcher surtout d'aller à la fin de l'objectif parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a que 2 minutes. Et je pense que j'ai eu un échec parce que j'ai pas eu le temps tout à l'heure.
Ah ouais, faut faire le ménage pour, ouais, pour libérer la zone, évidemment, vous connaissez. Hop. Ok. Par contre, je voudrais prendre l'arme là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Mais non, il n'y a pas d'avoir de costume. On... Ah, d'ailleurs, on n'a pas pu acheter d'armure encore, j'ai l'impression. Notre armure, c'est celle du début, non? J'ai pas fait gaffe pour les armures encore. Ouais, je vais aller vérifier. Hop. Ok, bon, pour le défi que tout à l'heure, je le garderai. Hein. Je le garderai pour une prochaine fois. Défi. Ce défi m'a marqué, hein. Ça te sent si j'en parle encore. C'est qui me marque le défi. C'est qui me marque de fou le défi quand même. Hop. Allez. Magnifique. On arrive bientôt à la fin de la mission, je pense. Hein. On arrive bientôt à la fin. L'objectif va bientôt être validate. Oula. Bonjour. Santé. Ok, alors comment on peut faire là, pour déverrouiller la porte? Il y a quoi? Il y a un objectif? Il y a quoi? Ah, ok, c'est bon. Ça déverrouille automatiquement, les ennemis en fait ils arrivent et voilà. Ok. Ouh. On avance. Alors c'est pas du principal, c'est du secondaire. C'est pour évidemment avancer dans l'aventure. Il faut faire aussi le secondaire, il faut débloquer des points de vengeur. Des points de vengeur qui permettent de débloquer des planètes, évidemment. Donc forcément là on peut pas forcément débloquer la prochaine planète sans avoir avancé les défis secondaires. Donc forcément je suis obligé de les faire. Voilà. Et maintenant, voilà. C'est bon, les défis avancent. Oui. Oh non. Regardez-le. Regardez-le comme défi. Regardez-le comme défi. Non. Non. Oh non, c'est... Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Non. 48 000. 750. What? C'est le défi le plus dur, encore plus dur que celui de Chagar. Encore plus dur que Chagar. Oh mon dieu. 48 000. On est tombé sur les défis ultimes du jeu vidéo. Oh mon dieu. Et si j'y arrive les amis, par contre là, c'est une médaille d'or. Hein. Il était plus facile, hein, parce que du coup, il y a beaucoup de points à voir. Je pense qu'ils vont pas du coup compliquer la zone. Hop, on l'espère, on l'espère. De quoi on va tirer en arrière? Du coup là, on va pas hésiter à tirer en arrière, hein, je vous le dis. Hop, ah, il est beaucoup les bobous là. Allez, on y va pas 10 000 d'ailleurs. Est-ce que c'est bon signe? Je sais pas. Est-ce qu'on devra plus que 10 000 normalement? Je ne sais pas non plus. Hop, allez. Bon, ils sont bien situés cette fois-ci, les bobous. Oh, bonjour. Ah, par contre, ouais, par contre, on dit très très cher en termes de vie là. Ah, oh, c'est magnifique. Ah, oh, que je viens de... Alors, quand j'ai vu ça, les amis, la tête que j'ai eue en mode, mais non. C'est une blague. Tiens, quand j'ai vu Chagar, je me suis dit, bon, c'est bon, on a plus de sur des défis, c'est terminé. Et en plus, si on peut mourir. Hein. Alors, c'est encore pire, on peut mourir, les amis. On peut mourir. Bon, alors, c'est magnifique. 48 000, mais ils sont fous. Waouh. Waouh. Alors là, on est tombé vraiment sur le défi. Hein. The défi, the défi. Hop, hop, bientôt je vais mourir en plus. On arrive même pas à 20 000, hein. Je vais bien mourir. Ok, oh bah. Ok, ok, ok. Bon, la mort, il n'y a pas de la vie. Il n'y a pas de la vie. Ok, il y a beaucoup d'ennemis. Je crois que ouais, mon robot va être détruit. Oui, bon, bien sûr. Voilà. Oh mon dieu, Chagar, Chagar, c'était le niveau niveau BEP. Hein. Là, c'est le niveau Bac plus 2. Vraiment, on est tombé sur une limite incroyable. Ah bah là, vraiment, si j'y arrive, vous savez quoi? Je vous offre... je sais pas si je peux vous offrir, on va réfléchir là. Ah mais si j'y arrive, les amis... Si j'y arrive, je sais pas ce que je vous offre, mais attendez, c'est quoi ce défi? C'est méga dur, c'est archi dur! C'est de rang, mais c'est pour rang légendaire! C'est rang impossible, c'est rang Star Souls! Mais regardez ma vie, hein. Regardez ma vie, hein. Regardez ma vie! Comment je peux gérer la mission? Dites-le moi! Y'a pas un petit code pour finir cette mission, parce que alors là. Oh, oh alors là! Ah bah là je suis mort, je suis même mort. Tant mieux, je suis mort.
Ouais, ça va être que du carré, Quentin. Pour sortir vivant ici, ça va être que du carré. Je pense que c'est le meilleur moyen de gagner de l'XP, c'est du carré, 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 carré. Voilà. Et bah voilà. Magnifique. Non, bah les amis, je fais pas ce genre de défi, je suis désolé. Je sais pas si c'est obligatoire, mais je peux pas les faire, ces défis là, c'est trop dur. Ils sont de rang légendaire, les défis. C'est impossible, je n'y arriverai jamais en live. Ce genre de défi, je n'y arriverai même en hors live, je suis pas sûr de les réussir. Je vais regarder un truc. Je vais regarder un truc. Alors là, il me faudrait 100 000 points de terreur, ok. Ok. Là, il faut 75 000. J'ai combien de points de terreur? Je vais retourner sur la planète du début, là, la toute première planète. J'analyse la zone. Si je peux éviter ces deux défis, je les fais pas. Je les fais pas, clairement, ils sont trop durs. C'est même pas infaisable, c'est juste que c'est en live, ça va me demander trop de concentration, trop de discussion avec vous. Je le fais pas en live. Alors, je le ferai peut-être pas en live non plus, mais je le fais pas en live. Voilà. Ça, vous êtes évidemment avertis. Voilà. Ok. Bon, je vais quand même regarder si c'est important de les faire ou pas ces défis. De mon côté, attendez deux secondes, je reprends dans deux secondes les copains. Ok. Bon, je crois que je vais arrêter le live, hein, parce que là, quand je fais ces défis. Attendez, je vais quand même regarder si on a moyen de skip les défis. Alors, start. Défi. J'ai 69 000 points. J'ai 69 000 points. J'ai 69 000 points. Combien il faut de points pour débloquer la toute dernière planète? La toute dernière planète. Points de terreur. Ok. Je voudrais voir les défis. Je vais calculer, voir si on peut quand même avoir les 150 000 quasiment avec... Voilà. Alors. Alors, attendez. Alors, là, on a 12 000, 16 000, 10 000. Donc là, forcément, on a déjà 16 000, 28 000, 38 000. 38 000, donc ouais, donc forcément, on y passe les 100 000, là. Ok. Ok. Magnifique. Ok. Ensuite... Imaginons qu'on va sur Orkson. Orkson, il n'y a plus rien à faire. Ah si. Oui, bon, ça c'est impossible. Ça, on peut pas le faire. Ce défi-là d'Orkson est impossible, on peut pas le faire. Celui-là également. En plus, celui-là, on gagne 6000, ok. Donc là, c'est 8000, 12000. On gagne quand même 12000. Ça peut le faire. Parce que du coup, évidemment, on va dépasser les 100 000. Avec ce qu'on a calculé, on va arriver quasiment à 100 000. Donc forcément, on pourra faire des défis de la planète Torval, de la planète Valix, et même des défis d'arène. Donc on sera carrément arrivé à 125 000, 150 000. On peut les skip. On peut skip ces défis, je pense. Je pense. Sinon, je les ferai en off, parce qu'en pire des cas, je vais en off pour les faire. Ok, on va faire l'attaque de zombies. On va faire l'attaque de zombies. Je voudrais quand même pas finir sur du négatif. Les lives, il faut jamais les finir sur du négatif. Ça, c'est ma nouvelle devise depuis quelques récemment. C'est qu'il faut qu'on fasse du positif pour finir ce live. Donc on va faire un autre défi. Et je crois qu'il est dur en plus celui-là. Il est méga dur. Il me semble qu'il est dur en plus le défi là. Il est moins dur que les robots d'Ator de machin là. Hop. Évidemment. Magnifique. Attends, je gère. Ah, il faut d'autres armes. Ok. Je gère ce robot là. Ah, il gagne des points. Il gagne des boulons, pardon. En gros, faut que j'esquive. En fait, faut que je fasse pas toucher par les zombies. Je crois pas qu'ils atteignent la zone ou je sais pas quoi. Faut que je les fasse reculer un maximum en vrai, les zombies, je crois. C'est ça le but de la mission. Évidemment. Les bombes. Ça, c'est bien, ça, comme arme. Pour pousser les zombies, ça, c'est bien. Bien, on a amélioré les bombes. Bien. Et j'ai le level up, hein, évidemment. Ça, je vais pas l'indiquer. Je
vous remercie évidemment encore pour ces moments de rage qui sont très très durs à gérer, hein. Vous l'avez bien remarqué, je pense, très très durs à gérer. Et en plus j'ai amélioré mes armes, et c'est beau ce défi là, le défi qui va améliorer toutes mes armes en vrai, magnifique. Oh là là. Alors en gros faut pas que les zombies, je crois qu'ils atteignent un certain endroit de la zone, sinon c'est terminé pour nous, il me semble. Allez, allez, oh non. Oh non, j'ai plus de munitions. Non, faut survivre, c'est tout. Non, faut survivre, c'est tout. On va survivre. Attendez, c'est quoi cette connerie là? Oh, le chaos. Le chaos est présent, lui donne Alex. C'est un carnage. Hop. Magnifique ce qui se passe. C'est magnifique les copains. Je suis en train de virer un passage que j'aurais jamais cru que j'aurais dû virer. Ouais, c'est plus rapide qu'une mission. Allez, le... Ouais, oui, c'est bon, on a gagné. Regarde ce qu'on a. Forcément, on a gagné. On a le fléau. Le fléau du scorpion. On a réussi le défi. Donc, du coup, on a gagné 12 000 points de terreur. Donc, du coup, on a débloqué une planète qui est ceinture de Valis. Voilà. Parce que moi, je vais continuer les défis pour débloquer d'autres planètes. Torval également, voilà. On va continuer les défis. On va essayer de pouvoir débloquer les planètes. Hop. J'espère qu'on va pas falloir qu'on va aller tous les défis pour finir le jeu. Sinon, ça va être trop compliqué. Heavy Metal. On est parti. On est parti pour le Heavy Metal. Avant le Heavy Metal, je vais reprendre le chat sur mon téléphone. Du coup, j'ai mis en pause mon téléphone. De mon côté, il n'y a plus le chat du live. En tout cas, j'espère que vous passez un bon live sur Ratchet & Clank. Alors, oui, on va parler de moments de rage, évidemment. Bon, ça, ce n'est pas une surprise. Donc, forcément, vous êtes déjà au courant qu'il y a d'avoir des moments de rage. J'espère que vous passez un très bon moment. Ça fait plaisir de faire du Ratchet & Clank. On n'avait pas fait beaucoup cette semaine encore. Donc, encore grand désolé de ma part pour vous. Et maintenant, découvrons notre prochain défi. De faire quoi? Pourquoi pris un défi? Mais qui a écrit les textes? Il y a une faute d'orthographe. Quoi le but? Quel est le but de ce défi, les amis? J'essaie de comprendre là, attendez. C'est quoi le but? À part survivre des manches. Bon, on s'est dit qu'on peut peut-être pas faire toucher ou quoi, donc j'évite pour l'instant. Ok, manche une. Hop. Voilà, on les glace, évidemment. Comme les cornets. Ah non, c'est des créatures très puissantes, d'accord. Je pense que je peux me faire toucher quand même. Il me semble que je peux quand même me faire toucher. Oui, évidemment. On met des créatures de plusieurs planètes. Hop, scorpion éliminé. Voilà, manche pro direct. Hop. Magnifique, c'est magnifique. Il y a beaucoup de créatures, on essaie de les dire, les zombies évidemment. On n'a pas encore rencontré les zombies. Si on les avait rencontrés sur la toute première planète, les amis, rappelez-vous. Hop, hop, allez, on fait le ménage. Hop, voilà, on gère nous. Oh là, c'est bugué le jeu tellement qu'il y a beaucoup de bagarres avec cette mission. Magnifique mission d'ailleurs. Voilà, on gère. Ok. On en mange 6? Non, mange 5 en fait. Mange 6 attaque. Ok, on attaque la manche 6. On peut prendre des dégâts, c'est officiel. Je viens de regarder, on peut prendre des dégâts, c'est officiel. Et on a amélioré le fléau au niveau 6 déjà. Oh, mon fléau vraiment trop puissant. Oh là là, qu'est-ce que vous allez faire avec le fléau? C'est l'arme qui va me faire gagner le jeu, à son goût. Hop. Nickel. On a fini le défi. On regagne encore des points. C'est beau, comme je vous disais, on va peut-être pouvoir débloquer même une planète si ça continue comme ça. C'est ça qui est beau. Zone finale, on est parti pour la zone finale pour évidemment débloquer des points qui nous permettront peut-être, peut-être, de débloquer encore des planètes, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Empêcher l'ennemi d'atteindre la zone de lutte par tous les moyens. D'accord. Ben, en les détruisant au maximum. Avec le fléau, quoi. C'est trop facile. Je tiens le coup avec le... Hop. Ben alors, vous n'allez pas m'approcher? Mais comment ça se fait? Le fléau est trop puissant. Trop puissant, le fléau. Aurait été
Mais alors, vous n'allez pas atteindre le but? Mais Starlight, ce serait meilleur, il n'a pas le fléau, le Starlight. Moi, j'ai le fléau. Il faut absolument que je me trouve une de ces tenues de combat à Juanita. Allez. Allez, on est bon là, le fléau. Ce fléau est déchaîné. Évidemment. Je n'approcherai même pas un centimètre de but avec mon fléau. Regardez-moi ce fléau, les amis. C'est quoi cette arme incroyable? Voilà, on est bon. En vrai, on est très très bon là. On prend des munitions évidemment pour le fléau. Ah, il y a quelqu'un qui est passé là-bas. Hein. J'ai vu. Hein. Ah, voilà. Allez, on va s'approcher évidemment un peu pour le but parce que là, forcément, ils vont être beaucoup plus nombreux et beaucoup plus forts. Regardez, il y a le scorpion qui est là. Ah, mon Dieu, le scorpion qui va nous gêner. Hein. Ok. Non, scorpion. Je trouve vraiment qu'elle est passée avec mon fléau. Mais faut pas rêver les copains. Et je crois qu'il y a un grand personne qui va toucher le but. Hein. Je veux pas vous toucher le but. Non. Don Alex interdit. Oh, enfin bon, toi t'as rêvé. T'as fait le seul unique qui a l'air de pouvoir passer le but. Eh ben non. Ça ne passe pas comme ça. Le but, vous ne l'aurez pas. Hop, et j'empêche vraiment d'aller au but. Hein. Hop. C'est bon, il arrive pas, il est perdu. Ils ont plus de stratégie. Il n'y a personne qui est passé au but encore. Il n'y a personne qui a pu passer au but. Magnifique. Ça, il est incroyable. Oh mon Dieu, ils ont même pas réussi. Zéro. J'ai zéro personne qui a atteint le but. C'est tellement beau. Waouh. Magnifique. Ah, c'est magnifique, ça se passe en live, les copains. C'est magnifique. En vrai, c'est magnifique. Et on a fini tous les défis, évidemment, de Vengeur. On a bloqué pas mal de points. On va faire un petit résumé, d'ailleurs, de notre côté, de combien de points il nous manque avant de débloquer la planète de défi, évidemment. Alors, attendez. Donc, je vais faire un petit tour, maintenant, qu'on a fait ces défis secondaires. Ok. Oui, j'ai vu. On pourra faire Vanix, on pourra faire Torval, évidemment. Évidemment, il ne restera plus 4 planètes à débloquer. Et en plus de ça, petit bonus, les amis. Quand je vais aller dans défi, je suis sûr qu'on a presque quasiment les 100 000. On est à 107 000 points. On est à 107 000 points. Quand on aura fini la planète... pour vous expliquer. Hein. Quand on aura fini la planète Vanix, la planète Torval, on va débloquer le tournoi de batailleur automatiquement, parce qu'on a débloqué tous les points requis. Et en plus, les amis, je pense que d'ici là, on aura même débloqué les points pour Stygia, sur Stygia, pardon, et Maratsus, voilà. Et vraiment, je pense que ça va être à un poil de cheveux, on va l'avoir, donc forcément, voilà. Je pense qu'on est bien parti pour se finir ce 100% du jeu, les amis, de mon côté. Est-ce que je... Il est 14h, je devrais peut-être arrêter, je pense, non? Non, vous en pensez quoi, les copains? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Qui on pourra les raid? Ok. Très bien. Très bien. On va les raid quelqu'un. On va arrêter le live. On va arrêter le live, les amis. On va arrêter ici, 14h. De toute façon, on se retrouve ce soir de mon côté pour du Mario Kart. Si vous voulez venir jouer à Mario Kart avec le Don Alex à 18h, il sera dispo pour jouer avec vous jusqu'à 20h30, voire 20h40, pourquoi pas. Non, on n'arrête pas. Oui, mais il faut que j'arrête, il faut que j'aille manger aussi, mon bon Venom. Non, il faut que j'aille manger. Bon, ça fait 3 heures de live, c'est quand même beaucoup, là. J'ai quand même fait beaucoup d'heures de live. Je vais vouloir rattraper les deux défis compliqués qu'on ne fera plus jamais sur la chaîne, je pense, si on n'est pas obligé de les faire. On se les fera plus jamais. Je sais bien, bon, Alex, il n'y a pas de souci. Ça fait déjà quand même 3 heures de live. Bon, c'est quand même pas mal. On a quand même bien avancé. Je pense que dans 2 lives, on a fini le jeu, les amis. Dans 2 lives, on a fini le jeu, j'en suis sûr. Voilà. Il nous reste le live de lundi. Et vous savez quoi? Peut-être que mardi, si jamais j'ai pas de prévu d'autres lives, je finirai le jeu peut-être mardi. Comme ça, on attaquera directement un nouveau jeu après. Voilà. On verra ça. On verra comment ça progresse lundi et on verra ce qui se passe mardi, évidemment. On va relancer un raid. Alors, j'ai deux hésitations. J'hésite entre la Yaman Team et Lian Fenrir. Écoutez, qui on va raid? Est-ce qu'on va raid la Yaman Team ou Fenrir? Qui vous pensez que c'est mieux de raid? Je viens de voir qu'il y a la Yaman Team et Fenrir qui sont en live. Donc, on va les raid la Yaman Team. Allez. Yaman Team, on va aller à Yaman Team. Eh oui les amis, c'est la fin du live. Je suis désolé, c'est la fin du live, on va lancer un raid. On va voir l'autre
Alors, je sais pas ce que tu as dit, mon bon. Pas 32 heures. Mais non, arrête. Oh. Voyons. Ouais, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup en plus. Hop. On va raid, Layman Team. On va arrêter le live ici, voilà. Je vais juste me remettre en just chatting, évidemment, pour discuter 2 secondes avec vous quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Hop. Voilà. La scène de démarrage, voilà. Merci d'avoir suivi ce live qui durait quasiment 3 heures. Ça m'a fait grave plaisir de vous avoir vu sur ce live. Je plaisante du Lucky, je le sais. Hein. Tu as géré comme un chef. Merci beaucoup. Ce soir, on sort sur Mario Kart. On fera des courses entre nous. J'espère que vous pourrez en profiter. Venez en vocal, venez dans le jeu pour les gens qui veulent pas vocal ou les gens qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui veulent juste jouer avec nous. Venez jouer avec nous à Mario Kart de 18h à 20h30. Puis on livera demain matin, je pense, pour Ratchet & Clank Gladiator. On fera au matin ou à l'heure du midi ou en début d'après-midi. Pas trop tard, comme ça, je vais pouvoir avancer la fin de mon live 27 mars, le live d'anniversaire que je ferai pour vous. Viens déjouer, effectivement. Merci à tous d'avoir été présents. Merci pour votre présence. Beaucoup de love et beaucoup de bisous. On se retrouve à 18h tout à l'heure. Bon appétit. Moi, je vais aller manger de mon côté. Je vais en profiter pour me reposer un peu. Et on se retrouve ce soir à 18h. Je vous adore. On sera sur Mario Kart et on sera, j'espère, bien accompagné. Je pense que oui. Je coupe ma caméra, évidemment. Avant tout, je coupe le micro et je veux que vous donniez du love et des bisous à Aurel. Même si, je sais pas s'il va finir son live ou pas, parce que j'ai vu qu'il avait lancé à 9h, j'avais vu une petite notif, donc je sais pas s'il est envers la fin ou pas, mais j'ai vu qu'il était encore sur son live, donc on va aller le raid. Beaucoup de love et de bisous à Aurel, je coupe le micro et je vous dis bon après-midi, bon appétit, du love. Merci Punch, Venom.